Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Commence à avoir du monde, c'est super. Ok, on va commencer. Alors bienvenue, bienvenue à cette conférence, la conférence annuelle de culture biologique numérique. Conférence un peu spéciale car comme vous le savez, cette année, confinement oblige, on a dû un peu revoir nos projets de conférence. En tout cas, même en direct depuis notre salon, nous sommes tous très 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 heureux de vous accueillir ce soir pour cet événement. Comme vous le savez, on vous a donné rendez-vous pour parler de sciences, de biologie plus particulièrement, et si vous avez bien suivi, d'espèces aux particularités un petit peu étonnantes. Ok. Alors, je crois qu'on ne me voit plus là, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, partez pas, hein, je suis encore ici. J'ai seulement un petit problème d'écran. Ok. Bon, je pense que c'est rien de grave, je vais arranger ça. Ok, c'est bon, on me voit là? Ok, bon, c'est reparti. Je suis désolée encore une fois. Alors, je vais reprendre. Donc, ce soir, comme je vous le disais, nous avons invité pour parler de science. Et nous avons la chance d'avoir deux invités exceptionnels. Comme vous le savez déjà, Marie de la boîte à curiosité, le docteur Agatha McPhail également sont avec nous ce soir. Ouais, excusez-moi, quelqu'un peut éteindre son micro. Ouais, on vous entend. Pardon, j'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes techniques. C'est la première fois qu'on fait un live, on n'est pas encore très très à l'aise avec tout ça. Ok, bon, on va passer à la suite. Alors, deux, trois choses avant de commencer et avant que j'oublie. Pour vous tous, notamment ceux qui n'ont pas de compte Twitch et qui voudront poser des questions sur le live, vous aurez la possibilité de le faire. Voilà. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur l'application Mentimeter. L'adresse s'affiche actuellement à votre écran, accompagné d'un code numérique visible également sur l'écran. Vous allez sur l'application, vous rentrez le code et c'est simple, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, réagir, poser des commentaires, plein de choses, voilà. Quelqu'un de notre équipe s'occupe de les répertorier et à la fin de l'événement, on consacrera un vrai temps pour pouvoir répondre à vos questions, parler librement avec nos intervenants, voilà. Donc ne partez pas directement à la fin, il y aura un vrai temps pour qu'on puisse parler tous ensemble. Également, n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Stranger Species. Vous savez qu'on est un petit peu actif sur ce réseau. Évidemment, à la fin, on lira tous vos tweets, on répondra à tout le monde. Voilà, donc il y aura un vrai temps consacré à tout ça. Je voulais également vous signaler. Allez, vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui brouille, je ne comprends pas ce qui se passe. On a un gros souci technique là. Ok, c'est vraiment bizarre. Wow. Qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-ce qu'on est? Oh, crie pas comme ça. Ah, ma tête. Non, mais attends, attends. Ok. On respire. J'étais devant mon écran, devant un live Twitch, et là. Ok, j'ai pas compris. Toi aussi, t'étais sur Twitch? Oui. Tu regardais le live de culture biologique numérique? Oui, et on a entendu des bruits étranges et tout d'un coup. Un bruit comme ce qu'on vient d'entendre? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Eh, attends, regarde, il y a quelqu'un là-bas. Elle arrive vers nous. Eh, eh oh, eh! Mais qu'est-ce que. Quoi? Mais qui êtes-vous? Eh ben, on regardait un live Twitch, il y a eu des bruits bizarres, plus d'images, on s'est réveillé là. Ok, d'accord, donc dit comme ça, c'est encore moins clair. Ok. On n'a pas le temps de discuter pour le moment. Venez, suivez-moi. Donc, si j'ai bien compris, vous étiez devant votre écran et vous avez entendu, je cite, des bruits de monstres et vous êtes arrivé là? Pour la cinquième fois, oui, ça s'est passé comme ça. Et où est-ce qu'on est d'abord? Et puis qui êtes-vous? Je m'appelle Audrey, et vous êtes dans le monde du bas. Ah, très drôle. Donc où est-ce qu'on est? Eh bien, selon moi, vous êtes tombé dans une faille qui est le monde du haut, le monde dans lequel vous vivez, et le monde du bas, ici même. Ces deux univers sont à peu près identiques à quelques exceptions. Le monde du haut est la version paisible et rassurante que vous connaissez bien. Ici, dans le monde du bas, règne la frayeur et l'inquiétude. Ok, donc la nana est complètement folle. Merci beaucoup, madame, pour votre accueil, mais on va y aller. Au revoir.
Vas-y, viens Mathilde, on y va. Elina, ça va, écoutons-la un peu. Perso, je ressors pas avec sa tête bizarre qui rôde dehors. Donc on reste ici pour l'instant. En effet. Je vous conseille pas de sortir dehors pour le moment. Le Demogorgon adore se nourrir de cerveaux d'êtres humains. Je l'ai déjà vu à l'œuvre. Croyez-moi, vous ne voulez pas le rencontrer. Bon, ok, d'accord. Admettons que votre histoire soit vraie. Vous m'expliquez comment vous, vous êtes arrivé là ? Eh bien, je suis arrivée ici il y a des années. J'étais chargée de la sécurité des biologistes envoyés dans le monde du bas. J'étais même l'ami de certains. On ne savait rien de ce monde avant d'y atterrir. Même si je ne suis pas biologiste de formation, j'ai cru comprendre que les scientifiques étudiaient, déjà depuis le monde du haut, des espèces aux particularités étonnantes. Quand le monde du bas a été découvert, certains chercheurs ont été sélectionnés pour faire partie des premières équipes à aller sur le terrain. La plus étonnante de toutes leurs découvertes fut celle-ci. Des espèces connues dans le monde du haut vivaient également dans le monde du bas. Hein ? Quelles espèces ? Eh bien, par exemple, celle qu'étudiait l'équipe dont j'avais la charge, les monotrèmes. Les mono quoi ? Les monotrèmes... L'ornithorynque en fait partie, non ? Ah, lui ! Je savais bien qu'avec son corps de canard et sa tête de castor, il était pas net. Ouais. Malheureusement, le portail par lequel nous sommes arrivés s'est soudainement fermé. Tous les membres de l'équipe ont fini par disparaître. Je suis la seule survivante, désormais. Mais aujourd'hui, les choses peuvent changer. Comment ça ? Je suis sur le point de trouver un moyen de remonter la surface. Il ne me manquait qu'un outil pour communiquer avec le monde du haut. Pour qu'il puisse réouvrir le portail et qu'on sorte toutes saines et sauves ? Non. C'est un peu plus compliqué que ça. J'ai en ma possession une archive vidéo, laissée par l'équipe des monotrèmes, qui documente toutes leurs découvertes. Cette archive contient également des informations sur les différents endroits où ils peuvent habiter dans le monde du bas. Je suis persuadée qu'il existe également d'autres vidéos laissées par des équipes de chercheurs, qui indiquent aussi dans quel milieu évoluent les espèces qu'ils étaient en train d'étudier. Et donc ? J'ai toutes les raisons de croire qu'en regroupant tous ces lieux, nous pourrons trouver l'endroit précis par lequel ces espèces passent d'un monde à l'autre. Un portail dont personne n'avait connaissance. Mais c'est super ! Qu'est-ce qu'on attend ? Il me manque des données pour trouver l'endroit exact du portail. Grâce à vos smartphones, je vais pouvoir entrer en contact avec une scientifique et amie de longue date, qui vit actuellement dans le monde du haut, et qui étudie aussi une espèce intermonde. Elle va enfin pouvoir me donner des informations sur cette espèce, ses particularités et surtout son environnement. Notre objectif est simple. Si l'on veut remonter dans notre monde, il faut trouver les dernières archives et rentrer en contact avec cette scientifique. Et si on commençait par visionner cette cassette pour en apprendre plus sur les monotrèmes ? Bonne idée. Ça nous fera un bon point de départ. Ok, alors... Bon, excusez-moi, c'est la première fois que je vais faire ça. En gros, là, je dois expliquer toutes nos recherches qu'on est depuis... Ok, donc... Bon, je réessaye. Ok, alors bonjour à tous. Tout d'abord, qui je suis et pourquoi je dois vous parler aujourd'hui. Alors, je fais partie d'une équipe de chercheurs envoyés dans le monde du bas. Donc, il s'agit d'un projet nommé Underworld Life. Donc, littéralement le monde du bas. C'est un programme de recherche en fait qui a pour but d'étudier les différentes espèces dans le monde du bas. Donc, on a été envoyés
On a envoyé trois équipes de biologistes qui ont été missionnés de chacun étudier une espèce spécifique du monde du bas. Donc les monotrèmes, la vilard vert et les amibes. Donc au début, quand nous sommes arrivés dans le monde du bas, l'excitation se faisait vraiment ressentir dans les équipes. On était tous très contents d'être les premiers à arriver dans un monde qui nous était totalement inconnu. Mais malheureusement, ça a quelque peu mal tourné. En effet, du jour au lendemain, nous n'avons plus aucun contact avec le monde du haut. Enfin bref, comme notre avenir est assez incertain, nous avons décidé, avec mon équipe, et je pense que les autres équipes ont fait de même, de réunir toutes nos recherches en une série de vidéos. Bon, excusez-moi et excusez-nous en général si le son est vraiment très mauvais et que parfois c'est coupé ou que vous entendez des bruits, etc. Comprenez notre situation, s'il vous plaît. Bon, nous sommes le jour 1. On va essayer d'être un peu plus enjoué au niveau des vidéos pour que vous compreniez vraiment qu'est-ce que notre sujet. Bon, jour 1. J'aimerais bien vous donner les différentes dates auxquelles nous sommes, ainsi que les jours, les années, mais je ne me rappelle de rien, malheureusement. Et j'ai perdu toute notion du temps. Donc, revenons-en aux bases. Alors, mon équipe et moi-même, nous traitons le sujet des monotrèmes. Dans le monde du haut, comme de celui du bas, on retrouve les mêmes espèces de monotrèmes, les ornithorynques et les échidnés. Pardon, excusez-moi. Dans le monde du haut, on les retrouve en Tasmanie et en Australie, où il est très ardu de les observer dans la nature. Ma collègue ne pourra malheureusement pas continuer sa vidéo, je vais donc finir à sa place. Elle parlait précédemment de la difficulté à trouver ces espèces dans le monde du haut, mais cela n'est pas plus facile dans le monde du bas. En effet, ce sont des proies pour le démogorgon, un peu comme nous à ce moment. Les monotrèmes ont pour particularité de pondre des œufs en allaitant leurs petits. Ils font partie du groupe phylogénétique des mammifères. La définition la plus commune d'un mammifère est la suivante. Un organisme possédant des glandes mammaires soit capable d'allaiter leurs petits. Ainsi, les monotrèmes rentrent dans cette définition. Nous pensons que leurs particularités leur permettent de traverser les deux mondes. Leur localisation pourrait nous aider à trouver le lieu où se trouve le portail. Ici le docteur Leaf, professeur spécialisé dans l'étude physiologique comportementale des ornithorynques et de leur évolution. Je travaille sur le projet Underworld Life, et plus particulièrement sur le projet des monotrèmes. Le scientifique Debré et moi-même avons dû prendre des chemins opposés pour continuer nos recherches, quand lui étant spécialisé dans les échidnés et moi dans les ornithorynques. Je suis désormais seule. Je crois avoir compris. L'ornithorynque peut voyager entre les mondes grâce à son lieu de vie assez fixe, que l'on retrouve dans les deux mondes. Pour trouver un ornithorynque, il faut que je me rapproche des cours d'eau. Je viens de trouver une dépouille d'ornithorynque, je l'ai retrouvée flottant sur l'eau d'un lac. L'animal a été attaqué par des créatures qu'on retrouve uniquement dans le monde du bas. Heureusement, le cadavre est quasiment intact. Je vais pouvoir l'étudier. Ok, je viens de finir l'autopsie de l'ornithorynque. Son adonté de très nombreuses caractéristiques étonnantes. Tout d'abord, il s'agissait d'un mâle de 50 cm environ de longueur. Et il pesait 2,1 kg. Les constats sont les suivants. Son bec, qu'on retrouve ici, est mou et semblable à celui d'un canard. Néanmoins, le bec du canard est composé de kératine. Celui de l'ornithorynque est recouvert d'une peau élastique qui lui permet de fouiller sa nourriture dans la vase. Sa queue ressemble à celle des castors. D'après l'échantillon de sa fourrure, que j'ai en ma possession, elle indique que la fourrure de l'ornithorynque s'apparente à celle de la loutre. J'ai enfin pu extraire le liquide contenu dans l'éperon, donc l'éperon qui est une sorte d'aiguillon au niveau des pattes arrière de l'animal. D'après les analyses, il s'agit d'un puissant venin. Au cours de mes nombreuses recherches, je me suis souvent fait piquer par toutes sortes d'espèces venimeuses, dont l'ornithorynque. Comme le venin de certains serpents, la douleur due au poison est insupportable. J'en garde d'ailleurs de très nombreuses séquelles. De ces observations, on trouve de nombreuses similitudes entre l'ornithorynque et d'autres espèces. Il serait facile de dire que l'ornithorynque a volé ses caractéristiques à différentes espèces, mais il n'en est rien. En effet, toutes les descriptions faites précédemment sont des convergences évolutives entre l'ornithorynque et le canard, le castor, la loutre ou encore les reptiles.
Une convergence évolutive est une caractéristique que possèdent plusieurs espèces sans que cela soit dû à un héritage d'un ancêtre commun. La caractéristique est acquise indépendamment par les espèces au cours de l'évolution. J'espère pouvoir retrouver un jour le docteur Debré afin de voir si ce dernier a trouvé également des convergences évolutives qui sont propres à l'échidné. C'est ma première vidéo, on m'a demandé de la faire par là. J'ai pris l'endroit où je pouvais à peu près, mais des mots bizarres, je pense que ça va être possible. Ici le scientifique Debré, professeur spécialisé dans l'étude physiologique comportementale des échidnés et de leur évolution. Le nom échidné viendrait de Echidna, une créature de la mythologie grecque moitié femme, moitié serpent. L'animal était perçu comme ayant les caractéristiques à la fois des mammifères et des reptiles. Ces animaux sont solitaires et peu nombreux. J'y suis enfin arrivé. Après plusieurs mois de recherche, j'ai enfin réussi à trouver un échidné. Ce dernier semble identique à ceux que l'on retrouve dans le monde du haut, mais il ne semble pas pouvoir traverser les deux mondes. Sûrement parce qu'il n'a pas de milieu de vie fixe. Au cours des prochains jours, je vous confierai les diverses informations que j'en retire. Ici le docteur Debré, j'ai en ma possession une échidnée femelle. Cet individu va m'aider à dresser une liste des convergences évolutives des monotrèmes. La première chose que nous pouvons voir, c'est que l'échidnée a des pics sur le dos, comme pour l'hérisson. Il s'agit d'une caractéristique qui le protège des prédateurs, comme le démogorgon. Cette horreur n'a pas envie de se faire piquer. Ok, c'est bon, j'arrête de parler de toi. Je suis de retour. Excusez-moi le cadre peu professionnel, mais je fais mon maximum. Alors, où en étais-je? Ah oui, je parlais de mon échidné et de ses convergences évolutives. En effet, j'ai pu remarquer lorsqu'il se nourrissait de fourmis épidermiques qu'il possédait une longue langue, comme les fourmiliers. On constate dès lors un très grand nombre de convergences évolutives. Après plusieurs mois de recherche, ma collègue et moi avons dû nous séparer. Nous nous sommes retrouvés au niveau d'un immeuble désaffecté. Nous avons conversé sur nos observations distinctes, faites sur les ornithorynques et les échidnés. Tous deux avons trouvé de nombreuses convergences évolutives, mais pas seulement. On dénombre également un grand nombre de caractéristiques qui, contrairement aux convergences, sont héritées d'un ancêtre commun. Ces caractéristiques ancestrales sont appelées des simples idiomorphies. Par exemple, les ornithorynques, les échidnés, les oiseaux et les reptiles ont hérité d'un ancêtre commun la capacité à pondre des œufs et un cloaque. Le cloaque est un orifice unique qui permet l'éjection des excréments, de l'urine, de la semence. On pourrait se demander pourquoi la majorité des mammifères, les placentaires par exemple, n'ont pas ces caractéristiques. Eh bien, ils les ont perdues au cours de leur évolution. Parmi les simples idiomorphies propres aux monotrèmes, on peut parler de l'allaitement qui se fait sans tétons. Mon collègue et moi-même avons remarqué que les monotrèmes, pour nourrir leurs petits, suent du lait au niveau de leur crête mammaire. Ma femelle échidnée vient d'avoir des petits. J'ai pu ainsi prélever et analyser un échantillon de son lait. Ce dernier a des propriétés antibiotiques insoupçonnées. Le lait étant évacué par les pores de la peau, puis léché par les petits, il est initialement un milieu propice à la prolifération des bactéries. Les propriétés antibiotiques du lait renforcent ainsi le système immunitaire de la progéniture. Enfin, une dernière simple idiomorphie a été constatée entre l'ornithorynque et l'éperon. Mais attention à la confusion qui peut s'en créer. L'écuillon est une simple idiomorphie des monotrèmes, mais le venin contenu à l'intérieur est une convergence évolutive partagée avec certains serpents. Appartiennent au règne des mammifères. Ils ont toutefois de nombreuses convergences évolutives, des caractères semblables avec certaines espèces mais qui ont été acquis indépendamment au cours de leur évolution. La ressemblance troublante des monotrèmes avec d'autres espèces s'explique également par des simples idiomorphies, des caractères ancestraux hérités par un ancêtre commun. Je dois repartir. Je joins à cette vidéo un fichier donnant toutes les coordonnées détaillées de la localisation des monotrèmes. C'était le docteur Debré. Mais c'est incroyable tout ce que vous avez découvert sur ces espèces. Et cette histoire de programme de recherche. Comment tout cela s'est terminé? Vous en savez déjà trop. Pour l'instant, perdons pas de temps. Nous avons trouvé dans quel habitat les ornithorynques et les échidnés vivaient. Nous allons donc pouvoir indiquer sur la carte toutes les zones où l'on peut trouver des monotrèmes. D'après la carte, il y a 5 endroits où nous pouvons trouver des monotrèmes.
Allô? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oui, je vous cache pas que je suis un petit peu perturbé par ce qui se passe là. Je suis sincèrement désolé. On avait dit de faire un événement limpide, clair, etc. Et là, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, comment je vous ai vu moi? Écoutez, je suis vraiment confuse. Je comprends vraiment pas ce qui se passe là. C'est qui ces personnes? Je comprends pas. Enfin, écoutez, j'ai essayé de résoudre le problème, mais je suis vraiment confuse. Sincèrement, je suis désolée. Vous pouvez quand même imaginer que je suis très très fâché, c'est confusant tout ça, il y a 108 personnes maintenant sur en live et on est censé pas les décevoir et là on leur présente des trucs ésotériques, comment vous allez récupérer ça? J'en sais pas, et puis non, écoutez, je fais mon maximum, là je suis en train de voir ce qui se passe, c'est quoi cette histoire de faille, j'ai rien compris, écoutez, je... Regardez, à juste titre, le Café des Sciences dit « Mes étudiants sont morts ». Et oui, qu'est-ce que je vais dire, moi, à mes supérieurs, que je tue mes étudiants parce qu'ils font des UE libres? Ça va pas aller. C'est vrai que c'est assez dommage. Pour vos camarades, oui, en plus. Pour y avoir un petit peu plus déçu. Non, mais en plus, je les aimais bien. C'était vraiment des braves gens, donc je... Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. J'espère les revoir. Je sais pas. Toujours est-il que je prends note, hein, voilà. Pas de problème. Faites, hein. Et puis moi j'essaie de résoudre le truc. Y a pas de souci, hein. Écoutez. Non. Allez-y. J'attends. Qu'est-ce que Bah je sais pas. Écoutez, j'ai essayé de peut-être de voir ce qui se passe. Nous allons maintenant pouvoir appeler mon contact. C'est une scientifique qui habite dans le monde du haut, le docteur Agatha Magpie. Elle pourra nous révéler de nombreux secrets sur une espèce qui vit dans les deux mondes. Si cette espèce est aussi mignonne qu'un échidné, je vais finir par trouver le monde du bas assez sympathique. Ou pas. Le docteur Agatha Magpie travaille sur le rat taupe nu. Attendez de voir à quoi il ressemble, vous n'allez pas être déçus. Allô? Agatha, c'est Audrey. Oh Audrey, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles et de l'équipe depuis le début de l'expédition. Tout va bien? Pas vraiment, non. J'ai perdu toute trace de mes collègues et je cherche un moyen urgent de remonter à la surface. Ce monde grouille de bestioles dangereuses et imprévisibles. Nous nous sommes plus en sécurité ici, mais tu peux m'aider. Avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parlez-nous du rat taupe nu. Vous êtes en danger, je dois vous parler des rats taupe nus? Oui, avec Mathilde que tu viens d'entendre, nous avons besoin de quelques infos sur ton modèle expérimental. Comment il vit et surtout où il vit. Je n'aurais jamais cru que mes études sur le rat taupe nu pourraient un jour sauver des vies. Je vais tâcher de vous aider au mieux. Alors, pour commencer, le rat taupe nu, Heterocephalus glabeur, de son nom latin, est un animal absolument unique et fascinant. Malheureusement pour lui, on ne peut pas dire qu'il a un physique très avantageux. Voilà à quoi il ressemble. Ah oui, ultra moche. Je préfère dire qu'il a un physique particulier. Ça va bien qu'on ne tomberait pas sur un truc mignon et fluffy après tout ce qu'on a croisé ici. Quand il l'a découvert au 19e siècle, le naturaliste allemand Edward Truppel pensait avoir trouvé un juvénile qui n'avait pas encore de poils, ou bien un animal malade, tant son aspect était, disons, inhabituel. Ses collègues un peu moqueurs le surnomment la saucisse à dents de sabre. Il y a un peu de ça, ouais. On ne peut pas tout à fait les blâmer. Heureusement, Truppel lui a trouvé un nom un peu plus convenable qui le décrit plutôt bien. Petit 1, c'est un rongeur de 40 grammes environ, qui fait à peu près la taille d'une souris. Petit 2, il ne voit presque rien, avec ses deux tout petits yeux noirs presque aveugles. Et petit 3, il est presque entièrement dénué de poils et exhibe une peau rose toute fripée. Même si en réalité ce n'est ni un rat, ni une taupe, et qu'il a bien quelques poils par-ci par-là, on obtient son nom actuel, rat taupe nu. C'est logique. Mais c'est quoi son point fort? Parce que là, il part mal dans la vie. Il est nu, moche, et en plus il est aveugle. J'y viens. Même s'il n'a pas de dents de sabre, comme le suggéraient les collègues moqueurs de Truppel, ses dents sont sa grande force. Toute sa puissance se concentre dans ses mâchoires grâce à l'action de muscles robustes. Regardez de plus près.
Ses incisives lui poussent en dehors de la bouche, au-delà de ses lèvres. Regardez bien, ses dents sortent sur son menton et sous son nez. Non. Mais si ! Ce n'est pas très glamour, ok, mais ça leur permet de creuser des galeries souterraines sans avaler de terre. Pas mal, non ? Mieux encore, ils peuvent bouger indépendamment chacune de leurs incisives, un peu comme des paires de baguettes chinoises. Des collègues ont aussi montré en 1998 qu'ils pouvaient utiliser des outils avec leurs dents. Certains d'entre eux se coincent des morceaux d'écorce ou des peaux de tubercule derrière les incisives et devant la bouche, ce qui leur donne une protection supplémentaire pour éviter d'avaler de la terre en creusant. On les trouve dans le sol alors ? Oui, tout à fait. C'est un peu la fourmi des mammifères. La grande originalité du râteau pnu, c'est que c'est le seul mammifère que l'on connaisse à l'heure actuelle qui ait une organisation sociale. Sociale, c'est-à-dire ? Eh bien, comme chez les insectes sociaux, comme les fourmis, termites et abeilles, il y a une répartition des tâches bien précise. Le socialité, c'est le niveau d'organisation le plus complexe que l'on connaisse au sein des sociétés animales. En fait, seule la reine se reproduit, avec quelques mâles triés sur le volet. Et c'est elle qui donne naissance à tous les individus de la colonie, qui peut compter de 20 à 300 individus. Et tous sont apparentés. La reine, par son comportement et grâce à sa seule présence, inhibe la reproduction des autres membres du groupe. Et les autres animaux gèrent toutes les autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la colonie. À chaque fonction correspond sa caste. On retrouve des nourrices, qui s'occupent de la reine et des petits, des ouvriers et ouvrières qui ramènent la nourriture et entretiennent les galeries, et même des soldats et des soldates qui défendent l'entrée de leur abri, notamment face aux serpents. En fait, on peut résumer la société comme ça. Une seule femelle se reproduit et tous les autres membres de la société se répartissent les tâches et coopèrent entre eux pour le bon fonctionnement de la colonie. Ça se passe vraiment comme dans une fourmilière alors. Leur abri ressemble aussi ? Oui, on trouve de longs tunnels avec plein de chambres et de galeries sous terre. On estime qu'une colonie de râteaux pnus peut occuper la surface de 15 terrains de foot. Ça ressemble un peu à ça. Waouh, le palace ! La reine doit avoir la belle vie. Pas vraiment. Elle passe sa vie à être gestante et à mettre bas. C'est un peu répétitif. Et son statut de reine s'accompagne d'un tas de contraintes. Elle doit surveiller ses troupes, asseoir son autorité. Et quand une reine meurt, c'est le chaos dans la colonie. Il va y avoir des tensions, voire des combats, jusqu'à ce qu'une nouvelle femelle prenne sa place. Quand la nouvelle reine prend ses fonctions, elle change morphologiquement. Son corps se transforme. Et pas qu'à peu. Alors qu'elle est déjà adulte. Normalement, un mammifère adulte, ça ne grandit plus. Sa colonne se voûte et ses vertèbres lombaires s'allongent pour lui permettre de stocker plus de petits dans son ventre lors de la gestation. Voilà une reine enceinte. Ah oui. Pire que dans Alien, quoi. Et plus elle vieillit, plus elle est capable de produire des petits en nombre. En milieu naturel, elle va faire une portée par an qui compte jusqu'à 20 bébés, mais en laboratoire, on peut avoir une portée tous les 80 jours. Wow, ça fait un paquet de petits, ça. L'enfer. Ouais. Et tes râteaux pnus ont une organisation sociale unique, c'est vrai. Mais il me semble bien que ton équipe étudie d'autres particularités chez eux, non ? Eh oui, le râteau pnu a plus d'un tour dans son sac. Et c'est ce qui nous intéresse, mon équipe et moi, c'est sa longévité. Il vit très vieux pour sa taille, ce qui continue de nous fasciner. Alors que les souris domestiques qui ont le même gabarit vivent en moyenne 2 ans, les plus vieux râteaux pnus ont vécu jusqu'à 32 ans. Waouh, la vache, elle est plus vieille que nous, la reine. Mais oui, c'est énorme, surtout pour un si petit animal. Alors, il faut préciser, hein, ce sont surtout les reines qui atteignent ces âges canoniques. Mais même les autres membres de la colonie peuvent vivre 15 ans s'ils ne sont pas croqués. Ça reste honnête. Et plus fort encore, les vieux animaux ne semblent pas atteints par les affres du temps. Leur corps et leurs organes restent en parfait état de fonctionnement jusqu'au bout. Quand ils meurent, on a juste l'impression que le corps s'éteint, en mode on-off un peu. Il n'y a pas de dégradation progressive des capacités motrices et cognitives. Et contrairement à nous, ils ne développent presque jamais de cancer. Et inutile de vous dire qu'on cherche intensément pourquoi. Ah ouais ? Vous cherchez un peu le secret de l'immortalité dans vos bestioles ratatines ? Un peu, oui. Avec eux, la fontaine de jouvence est à portée de main. Mais ils ne se contentent pas de vivre vieux. Ils sont aussi ultra résistants à la douleur. Vu qu'ils sont presque entièrement aveugles, leur peau est très sensible et les aide à s'orienter dans leur tunnel obscur. Donc si vous les caressez, frottez, pincez de manière mécanique, ils vont réagir très vite. En revanche, si vous les exposez à certaines substances irritantes, comme la capsaïcine que l'on retrouve dans les piments ou l'acide citrique du citron qui provoque des sensations de chaleur douloureuses, ils ne réagissent presque pas.
Lors des expériences, les souris se lèchent et révèlent leur inconfort, mais les rats taupes nues, eux, restent stoïques. Wow. Et tu as une idée de ce qui provoque une telle résistance ? Alors, on planche encore dessus. L'hypothèse la plus populaire, c'est que leur milieu de vie extrême dans les galeries souterraines, à très haute température et avec très peu d'oxygène, les aurait endurcis. Cette absence de réaction serait une manière de s'économiser pour eux. Peu d'oxygène ? Oui, j'ai oublié de vous parler d'un autre détail. Comme je vous le disais, ils vivent dans un milieu très chaud et sous terre, donc il y a très peu d'oxygène disponible dans leur galerie. Mais ils s'y sont aussi adaptés. Mon collègue américain Thomas Park a testé avec son équipe les limites des rats taupes nues en hypoxie, c'est-à-dire sans oxygène. Ils ont pu observer que les animaux sont capables de tolérer jusqu'à 5 heures d'hypoxie extrême, là où un être humain tomberait raide mort en quelques minutes. Mais ils vont encore plus loin. Les études ont montré que les rats taupes nues peuvent survivre 18 minutes sans la moindre trace d'oxygène, et ce, sans la moindre séquelle. Mais comment ils font ça ? Alors, en métabolisant le fructose, un sucre simple, naturellement produit dans les fruits, à la place du glucose, et en le transportant jusqu'aux neurones via des pompes spécifiques uniquement présentes dans les cellules intestinales chez les autres mammifères. C'est assez incroyable. Ça laisse songeur. Agatha, je suis navrée de te presser, mais on a besoin, avant de te quitter, de savoir exactement où vivent les rats taupes nues. Oui, bien sûr. Les rats taupes nues vivent en Afrique de l'Est, Kenya, Éthiopie, Somalie. Ils vivent presque exclusivement dans le sol et ne remontent à la surface que de manière exceptionnelle. Leur environnement est donc souterrain, très chaud et sec, et plutôt pauvre en oxygène. Ça vous suffira ? Oui, on va croiser nos informations. On doit partir. Merci Agatha pour ton aide. Je croise les doigts pour vous. Bonne chance à vous trois. Super, nous avons un nouvel indice. Je mets immédiatement à jour la carte. Alors, en croisant les zones d'habitat des monotrèmes et du rat-taupe nu, nous avons 4 zones de recherche possibles. Il faut absolument que l'on retrouve les autres archives vidéo pour avoir plus d'indices sur l'endroit du portail. Très bien, c'est plutôt un bon début. Commençons par la zone la plus au nord. Je sais qu'une équipe de chercheurs spécialisée dans la biologie du développement a trouvé refuge dans un vieil entrepôt à une dizaine de kilomètres d'ici. Le jour va bientôt se lever. On devrait se mettre en route. Ou alors... on reste ici le temps que les secours arrivent. Elina, tu sais très bien qu'on n'a pas le choix. Il faut récupérer d'autres indices pour pouvoir trouver le portail. Ta copine a raison. Ça fait bien trop longtemps que j'attends les secours. Cet endroit est trop dangereux pour que quelqu'un vienne nous sauver. Allez, prenez vite un sac à dos, nous avons un long chemin qui nous attend. Ah, enfin arrivé. Tu vois, Elina, c'était pas si terrible. Ouais, bah bien sûr. J'ai juste voulu mourir 5 fois. À part ça, tout va bien. Elina, tu t'es juste pris les pieds dans des orties et tu as vu une toute petite araignée. Pas de quoi en faire un drame. Tu plaisantes ! Elle était énorme ! Avec des taches et des poils partout, là. À ce propos, si tu commences à te sentir fiévreuse ou si tu as des spasmes musculaires, dis-le-moi. Pourquoi ? L'araignée dont tu parles est une femelle Latrodectus mactens. Son venin est extrêmement puissant. J'ai pas voulu te le dire tout de suite. J'avais peur que tu t'affoles et qu'on se fasse repérer. Voilà. Je le savais. C'est sûr. Je vais mourir ici. C'est bon, Elina. Arrête un peu ton cinéma. Tout va bien, on est en sécurité maintenant. Audrey, quel est cet endroit ? Nous sommes dans l'entrepôt où mes collègues, une équipe de biologistes, a établi son laboratoire pour étudier le développement des urodèles. Mais malheureusement... ils ont eux aussi disparu dans de mystérieuses circonstances. C'est vrai, si on veut pas disparaître aussi, il faut absolument que l'on retrouve le troisième indice. Allons dans leur laboratoire. Il y aura sans doute des pistes d'études sur les urodèles. Wow. C'est le bazar ici. On dirait qu'ils ont quitté rapidement les lieux. On devrait faire la même chose. Non, Elina. Faut absolument trouver cette archive vidéo. Il doit y avoir un poste de télévision avec un lecteur quelque part. Tu parles de ce vieux truc qui traîne là-bas, dans le coin de la pièce ? Merci, Elina. Tu aurais peut-être pu le dire plus tôt. Y a pas de quoi. Je vois une cassette dans le lecteur. C'est sûrement celle qui parle de leur recherche sur les urodèles. Allumons la télévision. Bonjour, c'est l'équipe de recherche sur l'axolote, Dr. Schnitzler. Si vous visionnez cet enregistrement,
c'est que nous ne sommes plus là pour vous parler de vive voix. Cela fait bientôt 6 mois que le projet Underworld Life a débuté. Au début, nous nous sommes installés sans souci, mais maintenant, nous rencontrons des pénuries. Ok. Donc, cela fait plusieurs jours que nous avons aucune nouvelle de l'équipe de Monotrem. Et en plus, d'étranges organismes rôdent en dehors du camp de plus en plus souvent. J'ai un mauvais pressentiment, et c'est pour cela que j'ai décidé de partager nos recherches, au cas où il arrivait un malheur à mon équipe. Voici ce que nous avons découvert. L'axolote, de son nom scientifique Ambystoma mexicanum, vivait au départ dans le mont du Haut, aux abords des lacs autour de la capitale du Mexique. Il est un type de salamandre, donc un amphibien, et plus particulièrement un urodèle, car il possède une queue. De plus, sa taille peut varier de 15 à 30 cm. Il possède des branchies en forme de fougère sur la tête et peut exister sous différentes formes de pigmentation, comme gris, noir ou blanc. Une créature mystérieuse, son nom provient même d'une langue aztèque, le Nahuatl, signifiant « monstre d'eau ». Ce qui rend cet animal si fascinant est le fait qu'il subsiste sous sa forme juvénile. Il reste donc une larve pendant toute sa vie. Ce phénomène est appelé la néoténie. Il signifie que l'axolote peut se reproduire tout en restant figé dans un stade larvaire. Mais comment est-ce possible? C'est la question que nous nous sommes posés avec mon équipe. Nous avons découvert que cela est dû à 2 aspects importants. Une anomalie hormonale et la génétique. Donc, tout d'abord, une hormone, c'est quoi déjà? Les hormones sont des molécules qui jouent le rôle de messagers dans notre cœur. Elles sont produites par un organe excréteur qui cible un ou plusieurs organes et tissus réceveurs pour délivrer son message. Le message peut être « fais cette réaction » ou « produit cette substance », ce qui peut avoir un effet sur tout l'organisme. Par exemple, l'insuline est une hormone connue, produite par des cellules spéciales du pancréas et permet de réguler la glycémie, donc le taux de glucose, un type de sucre, dans le sang. Lorsque nous mangeons, le pancréas détecte l'augmentation de glucose dans le sang et libère l'insuline. Cette hormone est diffusée via le sang et signale au foie de convertir le glucose en glycogène pour le stocker, ainsi baissant le taux de glucose dans le sang. Donc, nous avons vu que les hormones sont les messagers de notre organisme. Il existe une hormone spécifique qui nous intéresse dans le cas de l'axolote. C'est l'hormone thyroïdienne, aussi appelée TH, pour thyroid hormone en anglais. La TH est sécrétée par la glande thyroïdienne et joue un rôle important dans la croissance et le développement. Je pense que vous avez déjà vu un têtard. Eh bien, sa transformation en grenouille ainsi que la perte de sa queue est due notamment grâce à la TH. Mais qu'est-ce qui se passe chez l'axolote? Pourquoi cette métamorphose n'a-t-elle pas lieu? Mon équipe a découvert que cela peut notamment être dû grâce à l'action de 2 facteurs spécifiques, l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, une anomalie au niveau de ces dernières expliquerait une faible libération de TH, entraînant donc un blocage de la métamorphose de l'axolote. Par exemple, soit la TH n'est tout simplement pas libérée ou juste pas produite, soit les récepteurs de l'hormone sur les organes ne fonctionnent pas. Il existe encore d'autres hypothèses, mais aucune n'a été encore prouvée. Maintenant, à l'ADN. C'est très important de...
plus, au vu de toute la pollution dans ce monde, il aurait forcément dû développer un cancer, mais il n'en est rien. Et dire que tous ces scientifiques ont disparu aujourd'hui. Le programme Underworld Life ne s'est pas terminé comme prévu, c'est bien ça? Le monde du bas devenait de plus en plus dangereux pour nous. Non mais évidemment que ça a mal fini. Je vous rappelle que dehors, il y a une bête qui mange des cerveaux. Ça choque moi. Le micro. Mais c'est quoi ce bazar là? Pierre Caner, enfin, je comprends pas. Moi aussi, j'aimerais bien comprendre, en fait. Ah, excusez-moi, j'ai un peu de mal à garder mon sérieux avec... Ok, allez-y. Je veux bien que vous ayez un problème spatio-temporel qui emmène des étudiants ailleurs, mais que ça m'emmène, moi, dans un monde parallèle dans lequel je me retrouve avec une tête de poisson, je ne comprends plus. Il va falloir bah, je sais pas, on peut pas continuer le live comme ça, c'est pas possible. Regarde en plus. Pardon. Je suis con, vraiment... je voulais pas me moquer de vous. Un petit peu de respect. Je n'irai pas jusque là. Excusez-moi, je vous avoue que moi aussi je suis un petit peu confuse par ce déguisement. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors déjà, je n'ai toujours pas réussi à comprendre ce problème de faille. Je fais de mon mieux, je vous promets que je planche sur le projet, sur le sujet. Bah, j'espère bien, parce que bon, quand même, il faudrait que vous fassiez un travail d'étudiant, c'est-à-dire que vous vous expliquiez les phénomènes. Arrêtez de rigoler, enfin, Eva, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Ok, excusez-moi, pardon. Je suis vraiment désolée. C'est pas parce que votre professeur a une tête de poisson qu'il ne reste pas votre professeur, c'est comme ça. Non mais c'est vrai, je suis décolorée. Bon, eh ben, poisson ou pas, je note. Je fais de mon mieux pour trouver le... Voilà, je fais ce que je peux. Nous en savons désormais plus sur les différents lieux où nous pouvons trouver des axolotes. Inscrivons-les sur la carte. Il ne nous reste que 3 emplacements possibles pour trouver le portail. C'est une bonne nouvelle. Malheureusement, nous n'avons pas encore assez d'indices pour trouver l'unique endroit où passent nos espèces d'un monde à l'autre. Mais comment faire pour trouver une nouvelle piste? J'en reviens pas. On est en train de m'appeler. Vas-y, décroche. Mais ça va pas? Imagine, c'est le démon Gorgon à l'autre bout du fil. On va se faire repérer. Tu penses vraiment qu'un monstre qui vit dans un monde où, comme ça, hein, règne les enfers et le chaos, qui se nourrit de cerveaux d'êtres humains, possède un smartphone? Regarde au moins le numéro de la personne qui t'appelle. Mais je la connais. C'est Marie, une scientifique pour qui j'ai travaillé par le passé. Hein? Et comment elle a eu mon numéro? Le docteur Agatha McPie a dû lui donner. Elle doit essayer de nous joindre pour... Mais oui! Nous aider à trouver le portail! Vite, décroche ce foutu téléphone! Allô? Vous me recevez? Ah, ça y est! Ici Marie! Oh là là, mais vous voilà dans de beaux draps, dans ce monde chelou là. Bon, ça va quand même pour vous? Avouez que même si ça fait carrément flipper, l'ambiance elle est stylée, non? Et puis il y a plein de bêtes étranges. Honnêtement, moi je vous envie, j'aurais adoré vous rejoindre. On se croirait dans un scénario de série américaine. C'est ça le contact qu'a donné le docteur Agatha McPie? Elle a pas l'air nette. Raccroche. J'avoue, mais on n'a plus trop de temps. Elle va nous filer des infos, t'inquiète. J'en suis sûre. Bon, mes petits chats, je vais essayer de vous aider parce que là, ça craint pour vous. Vous avez intérêt à vous barrer vite d'ici. Donc on va trouver des indices et on va vous sortir de là.
Je vais vous parler d'une bestiole un peu particulière qui flâne aux alentours. Creatonotos genghis. C'est un petit peu mon chouchou. Alors, au premier abord, dans le monde d'en haut, c'est un petit papillon nocturne choupi. Il est rouge, blanc et noir. Il flotte dans les airs tel un animal poétique et fluffy. Oh, un papillon mignon, quoi. Moi, ça me va. Après les araignées horribles, enfin un peu de répit. Ouais, mais attendez, hein. Il est choupi, mais ça, c'est sans parler du moment où il déploie ses tentacules poilus. Mais c'est ce qui fait tout son charme. Croyez-moi, le jour où j'ai vu ça, j'ai eu le sang glacé. Et à la fois, j'aime bien. Des tentacules ? Un papillon qui a des tentacules. Ok, donc la fille est définitivement folle, en fait. Raccroche. Arrêtez, vous deux. Mais du coup, Marie, ça va, on craint rien avec un tout petit papillon, là. Non ? Si on le trouve, on va pouvoir déceler un indice sur l'emplacement du portail. Bon alors, écoutez-moi bien. Creatonotos genghis, c'est comme je disais, un petit papillon nocturne inoffensif de la famille des Arctidés. Il est si mignon! Dans le monde d'en haut, on le trouve en Asie du Sud et en Australie, et il mesure environ 4 cm. Mais quand il passe dans le monde du bas, c'est une autre histoire. Il semblerait que la faille dimensionnelle du monde du bas le fasse muter et qu'il frôle à peu près les 2 mètres de longueur. Mais sa taille, c'est rien, ça va, et puis au moins, comme ça, bah, vous ne pourrez pas le louper. Par contre, méfiez-vous des tentacules. Ok, donc nous, on est censé croiser des papillons de 2 mètres, là. Et c'était quoi ces histoires de tentacules? Moi, ça me fait flipper. Je vous préviens, je le croise, je le tranche, direct. Fais pas trop la maline, quand il sera devant toi, je pense que tu vas courir le sprint de ta vie, surtout. Bon, je vous explique le coup des tentacules. Dans le monde du haut, les mâles de cette espèce ont la particularité de disposer non pas de vrais tentacules, mais de ce qu'on appelle en fait des corémata. Corémata, d'ailleurs, c'est le pluriel d'un coréma. Et ils en ont 4 au total. Et ce sont en fait les organes odorants en forme de tentacules que le papillon peut déployer et qu'il va utiliser pour produire des phéromones et attirer ses partenaires pour se reproduire. Ce papillon a d'ailleurs enflammé la toile il y a quelques années après avoir été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Et il a été traité de créature démoniaque, de monstre, au lieu d'être admiré pour ses sublimes caractéristiques, quoi. Et c'est vraiment dommage, sa réputation en a pris un sacré coup. D'ailleurs, tenez, voilà la vidéo, ça va vous permettre de mieux voir à quoi il ressemble dans la vraie vie. Moi, c'est ce qui me plaît chez lui, ce côté super mignon, assumé, pour au final avoir l'air un peu étrange et monstrueux. Un peu comme moi. Vous voyez, on craint rien. C'est inoffensif, ces tentacules-là. C'est juste un truc pour draguer. Mais comment elles fonctionnent, ces corémata, quand même, du coup? Ah oui, bah alors les corémata, elles sont totalement inoffensives. En fait, ce sont des sortes de sacs gonflables couverts d'androconies. Et les androconies sont des écailles glandulaires qui permettent de diffuser des phéromones sexuelles attractives pour les femelles. Avouez, c'est sexy quand même. Et les corémata, bah, elles ne sont pas toujours visibles. En fait, elles sont rétractibles et déployables. Elles se gonflent et se dégonflent en fonction des besoins. Regardez, dans cette vidéo, il y a un homme qui envoie de l'air dans l'abdomen d'un papillon, Chionarctia nivea, qui dispose aussi de corémata. C'est trop stylé. Impressionnant, non? Et lorsqu'elles sont rétractées, eh bien les mâles, ils ressemblent à n'importe quel papillon classique. Mais ça, c'est la version mondiale. C'est vrai que c'est spécial, mais c'est fascinant. Et la version du monde du bas? Alors, dans le monde du bas, Creatonotos genghis, il déploie ses corémata non pas pour séduire, mais pour manger. Drôle de technique.
Ouais, drôle de technique, mais bon, va falloir que je vous dise la vérité, hein. Disons que là où vous êtes, les phéromones qui diffusent sont si puissants que dans l'air, si ça arrive dans vos naseaux, vous allez ressentir l'irrésistible envie d'aller vous jeter dans ses pattes. Non pas pour jouer une partie de séduction, mais plutôt pour qu'il vous dévore. Génial, je suis ravie. Ravie. Et dire que quand j'étais petite, je courais dans la nature après des papillons. Et aujourd'hui, je vais finir dévorée par l'un d'eux. Je suis vraiment déprimée, là. Vous avez pas entendu un bruit bizarre, là ? Mais non, c'est ton imagination. Et t'inquiète pas, on va y arriver. Marie, comment peut-on faire pour connaître leur emplacement à ces bestioles, sans se faire repérer et dévorer, bien sûr ? Eh bien, c'est là qu'on va être maligne, car j'ai des indices très fiables sur l'endroit où il se trouve. Alors en fait, dans le monde du haut, la chenille de ce papillon est très connue pour ravager particulièrement les grenadiers. Pour le reste, si vous êtes discrète, franchement, il n'y a pas de chance qu'il vous repère. Pourquoi les grenadiers en particulier et pas une autre plante ? J'ai l'impression d'avoir entendu un truc. Et bien justement, ça a un lien avec les corémata. Dans notre monde du haut, ces corémata ne pourront se développer et produire la phéromone odorante que si la chenille se nourrit de plantes, comme le grenadier, produisant des alcaloïdes de type pyrrolizidine qui sont très amers et toxiques. Mais attendez, ces alcaloïdes ne sont pas dangereux pour les êtres vivants habituellement ? Eh bien vu Mathilde, c'est ça qui est incroyable avec Creatonotus genghis. L'ingestion de ce type d'alcaloïde, ça peut rendre très malade certains animaux beaucoup, beaucoup plus grands, comme les vaches et les moutons, alors qu'elles ne causent apparemment aucun mal à notre petit papillon. Et elles constituent même une partie assez importante de son régime. D'ailleurs, faut que je vous raconte, j'ai essayé une fois de tester ce régime sur certains humains, mais ça n'a pas très très bien marché. Ok Marie, il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas non plus trop de grenadiers dans le monde du bas, sinon on est dans le pétrin. Pas de grenadiers, pas de papillons, pas de gigatentacules. Et d'ailleurs, faut que je vous raconte, la taille des corémata, en fait, elle va dépendre de la quantité d'alcaloïdes absorbés par la chenille. On sait, en tout cas, que les mâles qui ont réussi durant leur vie larvaire à accumuler de grandes quantités d'alcaloïdes possèdent, à l'âge adulte, des corémata de grande taille. Ils sont capables de produire de grandes quantités de phéromones sexuelles. Alors qu'à contrario, ceux qui n'ont pas réussi à se procurer suffisamment d'alcaloïdes durant leur vie larvaire, ils vont posséder en fait des tout petits corémata. Ils seront incapables d'émettre des phéromones sexuelles. Ils sont tellement magnifiques et comme j'aimerais être à votre place, franchement, vous avez tellement de chance. Je vais lui en envoyer moi un ou deux papillons chez elle. On va voir s'ils sont magnifiques. Oui. Et si un jour vous revenez dans notre monde, vous me ramenez un papillon ou deux. Non. Bah, juste une petite chenille, s'il vous plaît. Ouais, non. Sinon, Marie, pour trouver Creatonotus genghis, on fait comment ? Alors, c'est super simple. Si vous voulez trouver notre papillon, il faut trouver des grenadiers du monde du bas, et je pense qu'il y en a dans vos parages. C'est assez simple à repérer, vous allez voir, ça fait de grandes fleurs rouges odorantes, très belles. Sauf si c'est lui qui nous trouve en premier. Courez ! Oh, on dirait que vous avez de la visite, mais c'est génial ! Bordel, le rêve, quoi ! Enfin, je voulais dire, fuyez ! Mais prenez des photos ! Mais ce que je comprends pas, c'est par quelle manière il vous a repéré. Il y a quelque chose qui doit l'attirer, hein. Elina, c'est quoi ton parfum, là ? Ça sent hyper fort ! C'est ma faute ! J'ai mis du parfum à la grenade ce matin. Oh. Venez, on va se cacher là, il y a un placard. Vite, entrez ! Bon, merci, Marie, hein. Ah bah merci à vous hein, et bon courage. Et puis n'oubliez pas, chercher les grenadiers sur la carte. Et prenez des photos. C'est bon. Je pense que nous sommes en sécurité pour l'instant. Elina ? Un parfum à la grenade ? Sérieusement ? Eh ben gros, tu pensais vraiment qu'en mettant du parfum comme tous les matins, j'avais prévu de me faire attaquer par un papillon géant vivant dans un monde apocalyptique. Je commence vraiment à en avoir marre de ces bestioles bizarres. Je savais bien que le thème de ces lives c'était Stranger Species, mais là, on nage en plein délire. C'est vrai que, pour le coup, je l'avais pas vu venir celui-là.
On va devoir attendre qu'il parte avant de pouvoir ressortir d'ici. Et il va bien finir par partir. Hein, Audrey ? J'espère. En attendant, on va devoir passer la nuit ici, dans ce placard. Super ! Mets-toi un jour la carte pour trouver l'emplacement du portail. Audrey, as-tu une idée à quel endroit on pourrait trouver des grenadiers ? Oui, je crois que j'en ai déjà vu. Ici et là aussi sur la carte. Très bien ! Donc il nous reste plus que deux possibilités pour l'emplacement du portail. Intéressant. Je pense avoir une piste pour notre prochaine destination. Ok, attendons que le papillon parte et profitez-en pour dormir un peu. Nous partirons dès demain vers la forêt. Nous avons une longue route qui nous attend. Évidemment. Encore une longue route. Elina, arrête de parler un peu. J'essaye de dormir en fait. Nya, Elina, arrête de parler. Nya, nya, nya. C'est encore loin. Je commence vraiment à avoir mal aux pieds. Allez, courage, on y est presque. Tu pourrais au moins nous dire où on va, non ? Chut ! Plus un bruit. Qu'est-ce qui se passe ? Très bien. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous courez en direction du grand arbre, vers la montagne. 1. Quel arbre ? Je te rappelle que nous sommes dans une forêt. Mais qu'est-ce qui se passe ? 3. Courez ! Vite, entrez dans le bunker, maintenant! De quoi? Où ça? Elina! Ok. Je pense que nous sommes en sécurité pour le moment. Ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Mais tu touches moi ou quoi? C'était quoi ce truc? Eh ben... Comment dire? Vous venez de rencontrer le Démogorgon. Ok, c'est sûr, je vais mourir ici. En tout cas, dis à ma famille que je les aimais, et je sors plus d'ici. T'as raison, il faut rester ici et surtout attendre qu'il s'éloigne. Quand il aura trop faim, il finira par aller chasser ailleurs. Audrey, est-ce que tu te rends compte que toutes les phrases que tu dis font flipper ? Elina, arrête un peu. Audrey est là pour nous aider, je te rappelle. D'ailleurs, Audrey, où est-ce que tu nous as amenés ? C'est un passage que j'ai découvert il y a de ça un an. Et tu te dis pas qu'il pourrait potentiellement y avoir des bestioles aussi dangereuses qui habitent dans les souterrains, hein ? Tu y as pensé ? Dans tous les cas, on n'a pas vraiment le choix, Elina. Eh, c'est bon. De toute façon, il n'y a que à moi que ça arrive, ce genre de truc. Allez, c'est bon. Il faut avancer rapidement. Prenez vos lampes torches et surtout, restez derrière moi. J'hallucine. On vient de découvrir... Oui. Je crois que nous venons de trouver le centre de recherche de l'équipe de microbiologie. La dernière équipe du projet Underworld Life. J'ai l'impression qu'ils ont malgré tout continué leur recherche. Il y a encore leur microscope. Et qu'est-ce qu'ils étudiaient ? Ils étudiaient une amibe, un organisme microscopique unicellulaire qui vit également entre les deux mondes. Ça veut dire qu'en consultant leurs données, on va enfin pouvoir trouver l'endroit du portail ? Je pense que oui. En tout cas, je l'espère. Posez vos affaires et reposez-vous pour l'instant. Elina ? Elina ? Elina, réveille-toi ! Ah, les fins de ses rêves. Écoute ça. J'étais dans une sorte de monde parallèle. Elina, c'était pas un rêve. Oh non. Écoute, je vais me rendormir un petit peu. Quand je vais me réveiller, je serai enfin dans mon lit. Tranquille. Elina, je reviens pas. Elle vient de se rendormir. Oh, c'est bon, Mathilde, laisse-la se reposer. Elle doit encore être traumatisée par toute cette histoire. En attendant qu'elle se réveille, suis-moi. On doit trouver la dernière cassette. Ok, j'arrive. Tu as déjà fouillé leur laboratoire ? Oui, mais sans succès. C'est bizarre. Où elle peut bien être, cette vidéo ? Et regarde, j'ai trouvé un mot sur le bureau. Nous avons été attaqués aujourd'hui, je suis le seul survivant. Cet endroit est devenu trop dangereux, je pars me réfugier dans la salle des archives et prends avec moi nos dernières recherches, à celui qui trouvera cette lettre. La phrase s'arrête ici. Donc nous devons trouver la salle des archives.
C'est là-bas que sont les infos que nous cherchons. La salle des archives. Regarde sur le bureau, je crois qu'il y a un ordinateur. Ok. Regardons ce qu'il y a dedans. Oh. Oh. Combien de temps j'ai dormi? Mathilde? Audrey? Y'a quelqu'un? Où est-ce qu'elles sont passées? Ah! Mathilde, t'es là! Mais j'ai super faim! Il te reste pas des gâteaux? Mathilde, t'es sourde ou quoi? C'est pas Mathilde, ça. On dirait qu'il fonctionne encore. Ouais, c'est un très vieux modèle, hein. On dirait qu'il y a encore des fichiers sur leur recherche sur les amibes. Ils n'ont pas l'air endommagés, en tout cas. Tant mieux. T'arrives à trouver la vidéo? Alors, attends. Là, Underworld Life Project, les amibes. Ça doit être ça. Ok. Vas-y, lance-la. Ok, c'est bon. Je pense que la vidéo fonctionne. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes malheureusement tombé dans le monde du bas. Vous n'êtes pas les premiers, mais pour être franc avec vous, je pense que vous allez mourir. Je suis un scientifique venu étudier avec deux de mes collègues sur une espèce dans ce nouveau monde. Mais suite à une attaque venue de ce monstre, que j'espère vous n'aurez pas rencontré, même si j'ai de fortes doutes, le gouvernement a décidé de fermer le portail et de nous condamner. Elle est déjà là. Mais pourtant, pourtant il me semblait que j'étais dans une zone sécurisée. Bon, je dois vite transférer les données qui me restent sur ce fichier et j'espère qu'elle pourra servir à quelqu'un. Vite. Tout le monde sait qu'il existe des organismes qui font à peu près notre taille et que l'on peut observer sans avoir à plisser des yeux. On pense notamment aux autres mammifères, aux oiseaux ou à certains insectes. Tout le monde sait aussi qu'il existe des organismes si petits qu'il faut un microscope pour pouvoir les apercevoir, comme les bactéries par exemple. Les premiers sont généralement composés de plusieurs cellules et les seconds d'une seule. Mais tous ont comme point commun de rester tout le long de leur vie unis ou pluricellulaires, c'est-à-dire composés d'une ou plusieurs cellules. Or, ce n'est pas le cas de l'espèce dont on va parler. Cette espèce, c'est Dictyostelium discoidum. À première vue, ce n'est pas un organisme qui paie de mine. On dirait juste une cellule informe en train de ramper sur le sol. Cette forme très particulière et cette façon très spéciale de se déplacer lui valent de faire partie des amibes. Ce terme désigne les organismes unicellulaires qui se déplacent de façon amiboïde, c'est-à-dire grâce à des extensions de leur corps qu'on appelle pseudopodes, ou faux pieds. Les pseudopodes servent à se déplacer, mais également à se nourrir. Les amibes sont microscopiques. Mais non, ce ne sont pas des bactéries. Contrairement à elles, elles ont un noyau, et les amibes sont beaucoup plus grandes. La plupart des amibes font partie des amibozoaires, groupe dont fait partie Dictyostelium discoidum. Amibozoaire signifie, en grec, animaux changeants. Et pourtant non, ce ne sont pas non plus des animaux. Les amibozoaires ont longtemps été placés dans le même groupe que les champignons. Oui, c'est vrai, certaines ressemblent à des moisissures, comme le blob. Et pourtant, ce ne sont pas des champignons. L'amibe que nous allons étudier, je vous rappelle son petit nom, possède trois manières de se reproduire. La première, la plus basique, est la mitose. Une cellule se divise pour donner deux cellules.
La deuxième est la reproduction sexuée. Elle peut avoir lieu lorsque deux amibes de type sexuel différent se rencontrent. La troisième, enfin, est celle qui nous intéresse ici. Il s'agit d'une reproduction asexuée, autrement dit dont le but est de coloniser un milieu. Et elle est très particulière. Tout commence lorsque les amibes mangent les dernières bactéries de leur milieu et se retrouvent sans plus rien à manger. Elles doivent alors impérativement trouver un nouveau milieu pour éviter de toutes mourir de faim. L'une d'elles se met alors à produire une molécule appelée AMPC, soit adénosine monophosphate cyclique, un fort message chimique. Toutes les amibes que la molécule atteint vont être fortement attirées par la source de son émission et vont se rendre dans sa direction. Ces amibes attirées vont émettre à leur tour de l'AMPC afin d'élargir la zone d'appel. Progressivement, les dictyostéliums vont ainsi s'assembler pour former une étrange structure. Cette structure est appelée une limace. C'est un organisme très particulier, dont le corps est composé d'environ 100 000 dictyostéliums qui vivent normalement indépendamment les unes des autres. On parle d'organisme colonial. Les amibes à l'intérieur de la limace perdent leur forme amiboïde et sont collées entre elles grâce à des molécules adhésives, les adhésines. Elles sont désormais capables de faire des mouvements cellulaires coordonnés, tout comme en font les cellules de notre corps. Ce n'est pas la seule ressemblance avec les organismes pluricellulaires. Certaines cellules ont de véritables rôles spécifiques, comme les cellules sentinelles qui jouent le rôle de système immunitaire au sein de la limace. Leur mode d'action est d'ailleurs le même que celui des macrophages chez les humains. Elles gobent les intrus. La limace, ce qu'elle cherche, c'est la lumière. Ce qui correspond pour les amibes, qui vivent dans l'humus des bois, à la surface du sol. Le rôle de la limace n'est pas d'aller le plus loin possible, mais le plus haut possible. Une fois qu'elle a atteint une hauteur optimale, la limace va se transformer. Elle va prendre progressivement la forme d'un saurocarpe, l'organe de dissémination des spores chez Dictyostelium discoidum. Les spores sont la forme que prennent les cellules lorsqu'elles doivent coloniser un milieu. Et les spores doivent être très solides afin de résister à tous les chocs rencontrés. Les amibes changées en spores créent ainsi une coque protectrice semi-imperméable composée en grande majorité de protéines, de polysaccharides et de cellulose. Ce dernier élément rendant ce manteau cellulaire extrêmement résistant. Les spores doivent être lâchées de très haut afin d'aller le plus loin possible. C'est pour cette raison que le saurocarpe est composé de deux parties. La tête, qui contient les spores, et la tige, qui maintient la tête en hauteur. Le problème, c'est que la tige, pour être la plus solide possible, contient elle aussi de la cellulose. La cellulose est un matériau qu'on trouve notamment chez les plantes, mais qui est tellement résistant qu'il tue les cellules qui le sécrètent. La dissémination des spores se fait donc au prix du sacrifice d'une partie de la colonie, celle des cellules qui composent la tige, qui va mourir pour que les autres amibes puissent survivre et coloniser un autre milieu. Bon, voilà les résultats de nos découvertes. J'aurais aimé continuer, mais bon, je pense qu'il y a un monstre qui va vite débarquer, donc je vais peut-être y aller bientôt. Ouais, je vais y aller. Ouais. Vous avez tous été condamnés ? Ouais. Mais bon, ça sert à rien de ressasser le passé.
Attends, faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il n'avait pas le droit de faire ça. Elina, elle est en danger, dépêche-toi! Non mais d'accord, je vous dérange peut-être? Ouais, je sais pas, je suis allé dans le futur, après je suis allé dans le passé, après... Pardon, excusez-moi. Ouais. Oui, bon bah excusez-moi, hein, mais c'est tellement confus que je sais pas ce qu'il fallait faire, quoi. Je vois ça. Bon, bah non, mais écoutez, si vous voulez pas que je vous dérange, il n'y a pas de problème, hein, je vais vous laisser. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai perdu la tête de poisson, donc ça, c'est peut-être un point en plus pour vous, donc j'ai noté que c'était des désagréments, certes, mais transitoires, donc tout va bien. D'accord. Non, mais on va faire comme ça, c'était très bien. Écoutez, je peux vous dire que je n'ai toujours pas trouvé cette histoire de faille, là, enterrement. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe. D'accord. Je tiens à vous dire que malgré tous les désagréments, il y a beaucoup de questions qui viennent. Donc, j'espère qu'à la fin de l'événement, il y aura la possibilité d'y répondre globalement. Est-ce que vous pouvez m'assurer qu'il y aura au moins cet exercice de fait? Alors, je peux vous assurer qu'une FAQ aura bien lieu à la fin de l'événement. Voilà, je vous rassure par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà, on peut faire ça. Voilà. Allons-y. Oui, parce que là, on est resté sur un suspense et j'ai envie de savoir la suite. Le Démogorgon a dû trouver l'entrée du centre. Faut qu'on trouve Elina et qu'on parte d'ici au plus vite. J'espère qu'elle va bien. Mais qu'est-ce qui nous a pris de la laisser seule aussi? Ok, j'ai besoin que tu gardes la tête froide, ok? Je suis persuadée qu'elle a trouvé un endroit où se cacher. Bon, on va devoir se séparer. Toi, tu pars récupérer la carte, puis tu fonces vers la sortie du bunker. Je te rejoins dès que j'ai retrouvé Elina. Ok, ça marche. Bonne chance à toi et fais attention surtout. On est trop près du but pour que quelqu'un reste coincé dans ce trou. T'inquiète pas. Et surtout, sois discrète. Elina, tu es là? Psst, par ici, je suis planquée sous le bureau. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'autre monstre bizarre là, il a trouvé l'entrée du bunker. Mais j'ai réussi à me réfugier ici. Sauf que... On va trouver un moyen de sortir d'ici. Mathilde est en train de récupérer la carte, elle nous attend à l'entrée du bunker. Ok, maintenant, il faut sortir de ce bureau. Ça va? Tu suis toujours? Ouais. Je te jure que je ne regarderai plus jamais de live sur Twitch, Twitter, YouTube, Instagram aussi. Plus jamais je retourne sur Internet. Elina, tais-toi. Oh non, me dis pas que... Mathilde, t'es là? Ouais, c'est bon. J'ai récupéré la carte. J'ai eu le temps de répertorier les endroits où on peut trouver des amibes. Et... Chut! On doit se casser d'ici. Ok. Je pense qu'on la semé. Mathilde, t'as trouvé l'endroit du portail? Je pense que oui. Les amibes se développent le plus souvent dans les sous-bois. En croisant les zones où il y a des forêts sur la carte avec les habitats des monotrèmes, du ratopnu, des axolotes et du papillon, il ne reste qu'une possibilité. Ok, suivez-moi. Le portail n'est qu'à quelques kilomètres. Oh. Depuis le temps, j'attendais de retrouver ce portail. Je dois vous dire, je vous serai à jamais reconnaissante pour tout ce que vous avez fait, de m'avoir aidée à sortir de là. Audrey, je pense que sans toi, on aurait à peine tenu 2 heures dans ce monde. Oui, mais sans vous deux, c'est évident que je n'aurais jamais trouvé ce portail, et sans Gata et Marie non plus. Excusez-moi. Alors, c'est pas du tout que je veux casser l'ambiance, hein. Pas du tout.
Est-ce que je suis obligée de vous rappeler qu'il y a juste derrière nous un démon gorgone qui veut nous arracher la tête pour manger nos cerveaux? À part ça, continuez, tout va bien. Oh, bah ça va. Un peu d'émotion quand même. Mais attends, Audrey, t'es sûre que c'est pas dangereux? Toujours moins dangereux que de rester ici. Pour une fois, Ina a raison. Merci Audrey. Bon, allez, on y va ensemble. À trois. Un, deux... 3. Salut tout le monde! Attends, je rapproche un peu de chat. Excuse-moi. Ah, la belle brochette! ouais. Pierre, tu m'entends là? Yes. Tu veux que je vienne pour répondre aux questions ou je vous laisse? Non, il faut que tu sois là. Non. Est-ce que vous nous entendez bien sur le live? Tu devrais être dans le live, là. Très bien. Ah oui, il y a la distance de sécurité. Ah. Je suis navré. Je t'entends, mais
Je pense que c'est déjà trop tard pour la distance. Ouais, ouais, de toute façon, elles vont rencontrer un démogorgon, il faut la mettre en quarantaine. Hein. C'est bon, je crois que là. Ah, tac, voilà, héberge. Vous avez déjà des félicitations. Merci. 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 Vous êtes barrière, enfin. Ah, oh, écoutez. Alors, est-ce qu'on entend tout le monde sur Discord, là? Il y a des... Que... Vous m'entendez? Tu m'entends, là? Je suis pas dans le live, hein. Je suis juste sur Discord. Ouais, ça suffit, normalement. On m'entend. Alex, tout le monde t'entend, Patrick? Ouais, ouais, je suis là, moi. Vous m'entendez, moi? Ouais, yes. Vous m'entendez ou pas? Ouais, oui. Céleste, on t'entend. Alex, on t'entend pas? Robinette fait remarquer, ça fait plaisir de voir des filles en surnombre, c'est trop rare. Oh, bio, c'est vraiment pas rare. On a un groupe de 9, il n'y a que 3 garçons. Dont on n'en voit qu'un. Patrick est très avec la on peut se moquer de lui. Allez-y, on peut y aller, sans problème. Oui, oui, parlons des technologies des enseignants, si vous voulez. Pendant ce temps, je vous évalue. Allez-y. Alors, non, Patrick, Laurenti, très bon prof, hein, ouais, exceptionnel, rien à dire. Franchement, pas de problème. Ah oui, si vous avez bien reconnu, nous avons aussi Agatha et Marie avec nous. Ouais. Salut. Qui ne sont pas étudiantes, elles n'auront pas d'évaluation à la fin. Elles auront une médaille en chocolat. Ouais. Et notre acteur hollywoodien. Meilleur espoir masculin 2020. Ouais. Oui, bravo. Bravo. Applaudissements. C'est magnifique. Ça va, on t'a fait bien, tout content. Un petit commentaire, peut-être. On fait une petite interview. Non, pas de commentaire. Ben, je sais pas. Ben, bien joué à tous. Enfin, je sais pas quoi dire. C'est l'émotion. Bon, j'ai pas réussi à tout me spoiler le script, mais il y a eu des moments que je n'y attendais pas. C'est, j'avoue, je suis un peu sans voix. Félicitations à tous, quoi. C'est vrai. On peut applaudir tout le monde. Bravo à tous. Bravo. J'avais un peu peur au début, mais parce qu'il y a eu des petits cafouillages, problèmes de connexion, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a, on a fait quelque chose d'incroyable, quoi? Vraiment, je sais que dire, quoi. Alors c'est vrai que c'était un peu étonnant, pendant la répétition, on avait des vrais problèmes techniques. Donc quand on a lancé l'intro, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça faisait un peu bizarre, quoi. Ouais. En fait, ça faisait un peu bizarre de... Des fois, il y avait des vrais problèmes techniques qui se mêlaient au... C'était prévu. Oui, bien sûr. Évidemment, on avait la bonne esquisse pour les problèmes techniques. Ah oui, oui, ah oui, le problème du chat, évidemment. Tout était programmé. Et bien sûr. Le plan s'est déroulé sans accroc. Ah non, aucun. Aucun, non, mais sinon... Ah, et du coup, quels sont les spécimens que vous avez rapportés du monde du bas? Yes, Amaury, notre dicteur de questions. Normalement, il a répertorié toutes les questions. Yes. Il y en a 12. Alors, première question, c'est pour le groupe des monotrèmes. Pourquoi le reste des mammifères ont-ils perdu leur cloaque et quels avantages ont eu les monotrèmes à le garder? Ok. Je sais pas si tu veux parler ou... Vas-y, je te laisse la première. alors, du coup, en fait, de base, toutes les espèces... l'ancêtre des mammifères avait un cloaque et en fait au fur et à mesure les différentes descendances il y en avait qui a conservé le cloaque et d'autres qui ont préféré changer de système entre guillemets et en fait il y a aussi d'autres espèces qui avaient un cloaque mais qui ont disparu au cours de l'évolution. Et donc en fait c'est juste que il y en a certains qui ont conservé le système de cloaque et d'autres qui en fonction de leur milieu se sont adaptés et ont un système comme ça, où au lieu d'avoir un seul trou pour les excréments les gonades enfin l'excrétion de la semence et de l'urine maintenant on a 3 trous différents et
voilà, c'est juste des adaptations différentes. Pas sûr, hein. Et du coup, ce serait quoi les avantages d'avoir un seul... bah après, ça, je pense que ça dépend, c'est juste des manières différentes. Ouais, je pense aussi. Hein. J'ai un doute sur ça. Tu peux faire le genre, s'il te plaît. Merci. Non, j'avoue que c'est une question. Attendez, compliquée. Attendez. On vous entend. Allez-y. Patrick Laurenti allait intervenir, je crois. Ouais, oui, je voulais dire que c'est quand même un jeu dangereux chaque fois de chercher a priori quel pourrait être l'avantage ou pas de telle ou telle adaptation. Le cloaque, c'est quelque chose d'ancien qui a perduré chez les monotrèmes. Le fait que ça n'ait pas perduré chez les eutériens, chez les terriens en général, c'est un fait. Bien malin si qui va trouver une raison adaptative à ça, c'est vraiment... Voilà. C'est une manière de botter en touche, mais avec style. mais c'est une très très bonne remarque. Ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où quelque chose est ancien, on ne peut pas savoir si, au cours de l'évolution, ça vaut le coup de le conserver ou pas. C'est juste qu'il y a une trajectoire évolutive et a posteriori, on pourra déterminer si perdre une structure est délétère, mais pas sur le moment, pas en observant les espèces actuelles. Alors, je lis une question, moins de risques... Excuse-moi. Je voudrais vous faire remarquer un truc quand même. Vous dites le cloaque a complètement disparu chez les eutériens et la présence de 3 orifices. Ça, c'est valable. Cette évolution-là, cette adaptation-là n'est valable que chez les femelles. Chez les mâles, la séparation n'est pas totale. Oui. Les conduits urinaires et reproducteurs sont confondus. Oui. Mais c'est parce qu'elles ne savent pas. Oui, je parlais d'un... on y a pensé. Donc, sur cette évolution-là, il n'y a que les filles qui sont au top. Bravo. Comme nous ce soir, quoi. Ah, je pense pas là. C'est sympa pour les Sylvain et Amaury. C'est un petit coup. Là, j'ai mal. Ah oui, parce que du coup, on a aussi 3 garçons, dont 2 Sylvains, ce qui est assez exceptionnel. Les 2 seuls Sylvains de la fac. Hein. C'est ça. Les 2 qui ont survécu, en tout cas. On a été sélectionnés, en fait. Bon, alors les questions. Yep. Là, alors, par rapport au ratop nu, si le ratop nu n'a pas de dégénérescence due à l'âge, pourquoi meurt-il ? C'est des questions compliquées. Alors, je ne sais pas si on entend bien. Si on t'entend bien. Oui. Oui, on t'entend, Oui. Alors, déjà. Je botte un petit peu en touche, mais le fait est qu'on n'a pas encore compris les mécanismes qui font que le ratop nu n'a pas un vieillissement progressif comme le nôtre. C'est ce que je disais un petit peu dans l'extrait, c'est vraiment, en fait, on estime que jusqu'à 20 ans environ, il n'y a pas de traces de vieillissement au niveau physique et cognitif. À partir de 20 ans, bon, il commence un peu à vieillir. Mais tout continue à fonctionner normalement et en gros quand il meurt le corps s'éteint quoi, mais il n'y a pas eu de dégradation progressive comme nous on peut l'observer. Il y a Robinette 33 qui dit il a une obsolescence programmée. Non, je peux dire ça. Mais c'est vrai que c'est il y a encore plein de questions. Il y a au niveau aussi bien pour empêcher le cancer, parce que les seuls cas de ratop nu, si j'ai bien suivi dans la littérature, qui sont morts de cancer, c'est ceux qui ont été provoqués, mais naturellement, on n'observe pas de cancer chez eux. Ils ont des choses au niveau de la peau, les fibroblastes, qui n'ont pas le même fonctionnement que chez la souris, par exemple. Et du coup, par exemple, leur peau ne flétrit pas. Alors, ils sont déjà flétris et ridés de base. C'est vrai que ça ne les aide pas, mais en vieillissant, ça n'augmente pas. C'est des rites de jeunesse. Il y a Astrid qui rebondit pour demander c'est franchement fou, leurs télomères ne rétrécissent pas du coup ?
coup, les Théomères, je ne suis pas allée voir, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais par exemple, alors que je dis plus de... Parce que j'avais mes papiers ouverts à côté, au cas où on me pose des questions, forcément. Mais non, les télomères, j'ai rien trouvé. C'est surtout ouais, au niveau de tout ce qui est physio qui n'est pas altéré. Mais les télomères, je pourrais farfouiller, trouver des références, mais là, je ne sais pas. Alors, je disais à Robinette qui demandait c'est quoi les télomères. Ce sont les extrémités des chromosomes et qui sont raboutées petit à petit au cours des divisions cellulaires. Voilà. Je suis sûr que ça a été travaillé chez le rat obtenu, ça. Oui, j'imagine, ouais. Avec les fibroblastes, le principe, c'est qu'en fait, nous, on a des divisions cellulaires et on a aussi un mécanisme où il y a des débris protéiques, des débris de protéines dans les cellules, ce qui fait que, ben, il y a vieillissement, parce qu'il y a ces débris qui s'accumulent jusqu'à ce qu'il y ait la mort de la cellule. Et eux, en fait, ils ont un procédé qui apparemment nettoierait les cellules de leurs débris et les cellules ne vieillissent pas. Splendide. Voilà. Alors, Maury, d'autres questions ? Alors, encore par rapport au ratopnu, quelqu'un a mal compris et voulait savoir pourquoi et comment la reine taupe grandit encore alors que les autres de son espèce se stoppent. Oui, en fait, c'est que quand la femelle devient reine, il y a un procédé physio, bon, il y a plein de choses qui... C'est un peu l'explosion dans le corps de la reine. Il y a plein de choses qui changent au niveau hormonal, au niveau physio. Et ce qui se passe, c'est que ses vertèbres lombaires grandissent. Et son dos se courbe aussi. C'est assez impressionnant. La colonne vertébrale, presque, elle se plie en deux. Enfin, c'est pas aussi fort, mais elle est vraiment très cambrée. Et ça, en fait, on pense que c'est une sorte de croissance osseuse qui a lieu chez un individu adulte, ce que l'on peut observer chez les reptiles, par exemple, mais qu'on ne trouve pas chez les mammifères, normalement. Ok. Une autre question. On me demande ce qu'est une espèce eusociale. Par rapport au ratopnu. Ah, mais ça, ils ont pris en cours de route, j'ai expliqué quand même. Oh, pas bien, hein. C'est vous qui allez être noté. Hein. De nous clasher là. Alors, attention, ne clashez pas le public, s'il vous plaît. Un petit récap, en fait, les espèces sociales. Donc, le principe, c'est qu'il n'y a qu'une seule femelle qui se reproduit, donc une reine, entre guillemets. Et il y a une organisation très précise des tâches au sein de la communauté. Donc l'exemple le plus connu que l'on a, c'est les insectes sociaux, comme les termites, les fourmis, les abeilles. Certaines espèces, hein, je précise, parce qu'il y a des abeilles solitaires, il y a des fourmis qui font des colonies à 8 individus, mais voilà, celles qu'on connaît le plus, ce sont des grandes colonies avec ces différentes castes, donc ces différentes fonctions. Il y a souvent voilà, des soldats qui... Les soldats, il peut y avoir des femelles qui protègent l'entrée de la colonie, des fourrageurs, fourrageuses qui vont chercher de la nourriture en dehors, il y en a qui vont ventiler, qui vont les nourrices, qui s'occupent de la reine et des petits. Donc dans une société sociale, on retrouve ça. Une seule reine qui se reproduit, donc ça veut dire que tous les membres de la colonie sont apparentés, sont des frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Les autres membres ne se reproduisent pas, parce que souvent, la reine a un mécanisme qui fait qu'elle va empêcher la reproduction des autres, souvent par intermédiaire de phéromones, etc. Et donc, voilà, il y a les insectes sociaux qui sont les plus connus. Chez mammifères, pour l'instant, on ne connaît que le ratope nu et un autre ratope dont le nom m'échappe, mais qui n'est pas nu, qui a des poils, parce qu'il y a des ratopes avec des poils aussi. Et il y a il y a plusieurs espèces de crevettes pistolets. J'ai découvert ça il y a peu, qui ont aussi un système eusocial dans les coraux. Il y a une seule femelle qui se reproduit, et il y a des soldats et des fourrageurs tout autour. Ok. Alors, une question par rapport aux coréomata. Pour extraire les coréomata, les papillons se gonflent d'air ou leur injectent de l'hémolymphe ? Je l'installe, c'est trop long. Allô, allô ? Ouais. Oui, on l'entend ? C'est une extrême bonne question dont je n'ai malheureusement pas la réponse, mais il me semble que c'est avec de l'air
mais je voudrais pas dire de bêtises. Si quelqu'un a la réponse. Ouais, moi non plus. J'imagine que c'est de l'air, puisque vu la manip qu'on a vue, le chercheur communiquait avec une paille ou un truc comme ça sur des stigmates, enfin, le système respiratoire des insectes. Donc, j'imagine, mais je ne sais pas. Ouais, je pense, ouais. Si on se base sur la petite vidéo qui est passée, il me semble que c'est avec de l'air. Alors, on a une question par rapport... Alors, c'est un rappel au rat nu. On demande s'il y a des rebelles dans les colonies, des individus qui ne veulent pas se plier aux règles. Est-ce qu'il y a des études là-dessus ? Alors, pour les rat-taupes, j'ai pas la réponse. Je sais que chez les fourmis, ça arrive qu'il y ait des ouvrières qui contournent et qui arrivent à pondre des œufs. Et parce que ce qui se passe chez les fourmis, c'est que quand elles pondent des œufs non fécondés, eh bien, ça va donner des mâles. Donc, ça arrive qu'elles peuvent pondre en loose day des œufs non fécondés. Chez les rat-taupes, j'avoue, je ne sais pas. Et il faudrait que je creuse un peu, mais souvent... Enfin, pour d'autres exemples qui sont moins hardcore, qui sont moins sociales, par exemple, typiquement, les suricates, c'est un peu le même système. Il y a aussi un couple dominant. Et nous aussi, il y a un couple dominant qui se reproduit et qui empêche les autres de faire des petits. Mais ça peut arriver. Typiquement, pour les suricates sur lesquels j'avais de la docu, ça peut arriver que d'autres femelles se reproduisent et fassent leurs petits. Si elles ont la mauvaise idée de faire leurs petits pas en même temps que la dominante, souvent il y a de l'infanticide, c'est-à-dire qu'on va tuer ces petits qui ne sont pas ceux de la dominante. Mais il y a un mécanisme que je trouve quand même ultra bien foutu. Quand il y a des femelles qui font des petits alors qu'elles ne sont pas dominantes, elles font en sorte de mettre bas en même temps que la dominante, ce qui fait qu'on mélange tous les petits et on ne sait plus lequel est celui de la dominante ou non. Et dans ce cas, il y a moins d'infanticide, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais ouais, râteau que j'ai pas la solution. Je sais que chez les fourmis, dans les sociétés sociales, ça peut arriver. J'imagine que chez d'autres insectes sociaux, type abeilles, termites, ça doit exister aussi. Mais là aussi, il faudrait que je farfouille. Il y a celle-là. Ah, on redemande par rapport au corémata. Il se gonfle d'air. Alors ça... Alors moi, je suis tombée sur un article, j'étais en train de fouiller. Apparemment, ça peut être les deux selon les espèces, enfin, soit de l'air, soit de les molars, mais ça dépend. Mais les deux sont possibles, apparemment. L'air, ça me semble quand même. Alors, c'est un a priori, hein, j'ai pas de documentation, mais ça me semble quand même que le chercheur utilise les trachées en injectant de l'air, déploie, c'est OK. Il n'y a pas de mécanisme d'aspiration de l'air chez les insectes. Alors si, un petit peu, parce qu'il y a le système de... Comment on appelle ça là, tu sais, le... Quand ils soulèvent quand ils écartent tergite et sternite, et si tu veux... Oui, mais ça fait un phénomène de soufflet suffisamment important pour les locustes, etc. Donc, c'est pas aberrant. Et surtout, tu as vu, la bouleine était assez... Ah bah, c'est gigantesque, c'est énorme. Donc bon, peut-être. Ouais. Peut-être un mix des deux. Ouais. Je verrais plus des muscles qui contactent et qui contractent l'hémolymphe, quoi, dans la cavité générale du corps, mais voilà, j'en sais rien. C'est un a priori, donc je dis sans doute. Alors, on a une question par rapport aux amibes. Les amibes au sein de la limace s'organisent-ils en organes ? Alors, a priori, non, mais il y a beaucoup de cellules spécialisées. Par exemple, on a cité dans la vidéo les cellules... C'était quoi, les cellules sentinelles ? Les cellules sentinelles, par exemple, donc elles ont le même comportement que les macrophages dans notre corps. Ouais, elles phagocytent tout ce qui est toxines, bactéries, pathogènes, etc. Puis, elles migrent à l'arrière de la limace. Et puis, alors, on a trouvé deux sources, on ne sait pas laquelle était la bonne. Peut-être qu'on pourrait nous éclairer. On ne sait pas du coup si elle meurt, si elle sort de la limace avec les toxines et tous les trucs pas bien, ou alors si elles éjectent ce qu'elles ont récupéré de nocif dans la limace. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de spécialisations. On avait aussi trouvé des cellules agricultrices. Celles-là, elles sont particulières parce qu'avant que la famine arrive dans leur milieu, elles stockent des bactéries en elles, petite poche, tout ça. Elles font leur truc de la limace avec tout le monde, etc. Et puis, c'est des réserves qui servent donc aux spores, qui, comme vous le savez, donc, ont été formées à cause de la famine. Ça leur permet d'avoir des petits stocks de nourriture, on les a appelés les agricultrices. Et puis voilà,
C'est très très varié. Après, je ne sais pas s'il y a des zones spécifiques qu'on pourrait qualifier ça d'organes. Bah, on touche à la limite de la notion d'organe, parce que si tu regardes le pied du sporocarpe, est-ce que c'est un organe ? Est-ce que c'est l'organe de soutien des gamètes qui vont, enfin des spores qui vont être diffusés ? C'est vrai que le sporocarpe, on pourrait parler peut-être d'organes. Dans la limace, je ne suis pas sûre. Dans la limace, on se voit, donc je ne suis pas sûre. C'est un peu... Ouais, juste elle trace quoi, elle salit tous et elle trace vers la lumière. C'est vraiment leur objectif, leur objectif premier. J'ai une question encore une fois sur les amibes, tant qu'on est sur le sujet. Si j'ai bien compris, les amibes sont en réalité au stade de la limace une sorte d'agglomérat de cellules. Du coup, ce sont des limaces qui infectent l'homme lors d'une exposition en eau douce. Alors non, le Dictyostelium discoideum n'est pas un parasite de l'être humain. C'est vrai que quand on connaît un petit peu les amibes, alors Pierre Carnet va me rappeler le nom, je l'ai oublié. Il y a une amibe qui est assez connue, qui infecte le cerveau des humains, voilà, qui est assez mortelle. Ah, Acanthomyba. Oui, c'est ça. Mais Dictyostelium ne le fait pas, donc non, c'est un pur, comment dire, elle le fait purement pour pouvoir trouver un autre milieu où il y a des bactéries, mais elle ne parasite aucun être humain. Oui, n'importe quel être vivant. Vraiment, l'objectif de la limace, c'est de trouver un nouveau milieu, de faire des spores, de trouver un autre milieu où il y a des bactéries. Donc c'est vraiment un organisme colonial qui est fait pour s'entraider, quoi, entre amibes. Et encore une autre question. Est-ce que les coraux sont des amibes ? Est-ce que les coraux... C'est des animaux en fait, et les amibes ne sont pas des animaux, comme on l'a dit. Donc, non. Voilà. Ça, c'était Céleste qui a parlé pour que tout le monde. C'est en effet exact. Alors, maintenant, il y a une question encore une fois sur le rat taupe nu. Comment est-ce que la nouvelle reine rat taupe nu est-elle choisie ? Vous auriez dû faire un live seulement sur le rat taupe nu, en fait. C'est moche et intéressant, hein. Ça donne de l'espoir à plein de gens. Ça, c'était gratuit, Agatha. Mais bon. Parce que rendre sexy le rat taupe nu, moi, je suis contente. Hein. C'était pas gagné. En vrai, ce qui se passe, de ce que j'ai pu voir, alors là aussi, malheureusement, au niveau papier, il n'y a pas beaucoup de papier sur le comportement pur de la société rat taupe nu, parce qu'à observer en nature, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses en labo. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a du fight, quoi. En fait, les deux femelles. En fait, quand il y a une reine qui meurt, parce que oui, ça arrive, même si elle vive vieille, il y a un moment donné, passer son temps à mettre au monde des petits, c'est quand même pas simple. Les prétendantes, entre guillemets, se tapent dessus, et je pense que c'est... Enfin, moi, ce que j'avais vu, d'ailleurs, j'en profite pour glisser une de mes références, c'était un documentaire que je l'ai vu passer sur Arte, qui s'appelle « Les super-pouvoirs du rat taupe nu ». Qui dure donc une heure et qui résume un petit peu tous ses travaux et les observations en nature. Et ce que l'on voit, alors là aussi c'est du cinéma, hein, mais on voit vraiment deux femelles se taper dessus, se mordre. Et ça ressemble un petit peu à un combat, genre comme des cerfs mâles au moment de la reproduction, en gros. C'est le plus costaud qui l'emporte. Et en gros, bah, le reste de la colonie n'a pas trop son mot à dire. En tout cas, je n'ai pas vu d'intervention extérieure. Mais là aussi, dans le docu, c'est du cinéma, donc on ne sait pas trop dans quelles conditions ça a été filmé. Mais oui, je pense que c'est vraiment les différents candidats sortent, ils se tapent dessus, et puis celle qui gagne devient la reine. Elle se choisit deux ou trois princes, et elle s'accouple avec eux, et voilà. Une autre question encore sur le rat taupe nu. Si les incisives sont en dehors, la muqueuse buccale déborde en dehors ou est-ce que ses dents sont implantées dans la peau ? Ah si, moi j'ai découvert ça sur le tard, hein, quand on voit en zoomant qu'en fait les dents sortent des endroits qu'on ne pense pas. Mais en fait les lèvres sont derrière les dents, en fait. Donc je pense que la muqueuse buccale est bien dans la bouche, c'est juste que ce qu'on appelle, c'est qu'en gros les incisives sont en dehors de la bouche.
sais pas si je suis claire, mais en gros, on voit pas très bien parce qu'il est tout fripé avec plein de peau. Mais en gros, il y a les incisives qui sortent, on le voyait bien sur la photo pendant le live, ça sort sous le nez, sur le menton, mais derrière, il a un repli avec les lèvres, et je pense que la muqueuse buccale, et normalement, il y a d'autres dents, parce qu'il n'y a pas que les incisives, qui sont dans le reste de la bouche. Ok. Maintenant, une question sur l'axolote. Est-ce qu'en mettant l'axolote dans des conditions différentes, la TH est libérée en quantité suffisante pour lui faire quitter la forme juvénile? D'ailleurs, sait-on à quoi il ressemblerait en adulte? Alors, ça a été fait de métamorphoser des axolotes, mais c'est dans des laboratoires, c'est souvent avec de la TH injectée dans le milieu. Après, il y a des aquariophiles qui élèvent des axolotes et qui disent qu'en baissant le niveau de l'eau petit à petit de l'aquarium, l'axolote il va se sentir un peu en danger et il va avoir un besoin de se métamorphoser pour devenir une salamandre. Mais il n'y a pas vraiment de source dessus, c'est un peu chacun qui dit « oui, bon, bah, moi j'ai réussi à métamorphoser comme ça, comme ci ». Sauf que dans la nature, c'est extrêmement rare et il ne peut pas naturellement compenser son manque de TH et faire « oh, bah, c'est bon, je peux me transformer, cool ». Donc c'est souvent artificiel, et oui, on sait à quoi ça ressemble du coup, vu que ça a déjà été fait, je sais pas. Dans la bande-annonce du live, il y a une photo de deux axolotes du coup métamorphosés qui ressemblent un peu à des salamandres, mais sans tache, je sais pas si on pourrait ajouter une photo ou quoi. Mais oui, effectivement, ça ressemble tout simplement à des espèces de salamandres beaucoup plus grosses parce que les axolotes, c'est assez gros, ça fait jusqu'à 30 cm. Ça ressemble à une salamandre, donc il a perdu la nageoire sur sa queue. Il a changé de visage pour que ça ressemble à une salamandre. On voit encore un peu les cicatrices de ses branchies sur les côtés. Et sinon... Je dirais, si je puis dire, je trouve qu'il n'a pas l'air très en forme parce que bon, il ressemble à une salamandre, mais évidemment, quand il se métamorphose, sa durée de vie est considérablement réduite d'un tiers, quelque chose comme ça. Ça ressemble à une grosse salamandre qui peut être albinos selon les cas, avec des cicatrices sur les côtés. Et voilà. Alors. Ah oui, on voit pas grand chose, mais. Mais c'est une salamandre qui est vraiment. Enfin, si je peux me permettre un jugement de valeur, c'est une salamandre assez moche parce que le corps est très massif, les pattes courtes. Il n'y a pas du tout ce côté très flexible, assez élégant d'une salamandre, vous voyez? Oui, c'est ça. Ouais, ça ressemble plus à un ratomnu qu'une salamandre, du coup. Ouais, y a une exactement, ouais. C'est vraiment pas très joli. Mais du coup, il y a... Alors, j'aime pas dire qu'il est moche, mais il est différent quand même. Voilà. Il a un physique particulier, mon petit Agatha. Ratopnudo. Ouais, c'est toujours plus loin. Il faut pas exagérer quand même. C'est mignon, les axolotes. Oui, mais du coup, ouais. Que je suis salamandre. Il est plus rien, même s'il est dans des zones très humides. C'est pour ça que sa peau, elle lui un peu. Voilà. Ah, c'est fou, la technologie. Très très bonne image. Voilà. Une salamandre moche. J'ai une autre question plus générale cette fois. D'où vient la musique? Alors, toutes les musiques sont libres de droit. On les a toutes trouvées sur YouTube, sur la bibliothèque audio de YouTube. Sauf une pour la musique des amibes, c'est... La musique s'appelle Maybe de... The Ink Spot, exactement. Et oui, ça vient de Fallout, hein. Vous voyez dans le chat, Total Inspi de Fallout, hein, clairement. Et le truc de Jazz Your Alone, là, qui était bien. Bah, c'était ça. C'est ça, Maybe de The Ink Spot. Et toutes les musiques sont dans les crédits, dans le générique de fin. Et elles seront également... elles seront disponibles en barre d'infos sur la rediffusion de... Il y a quelqu'un qui est revenu et dit « Oh mon Dieu, mais ils ne sont pas en réalité morts !» C'était donc fake. C'était pour le fond. Oh là là, que c'est étonnant. Non, est-ce que je peux avoir un petit sondage rapide? Est-ce que vous y avez cru un tout petit peu au début, mais un tout petit peu ou pas? Ou même à la fin, mais vous avez même à la fin. Quand j'ai vu Pierre Kerner avec le costume de poisson de la vidéo de Marie, là, du Simotoa.
Merci Pierre. Hein. Je t'en prie. Et moi, on m'a perdu. Troll à donf. Troll toujours. Ah ouais, franchement là. Ah super, le twist de Mulman. Oui, oui. C'était un très bon twist. Super bien fait. J'ai trouvé super bien fait, c'est le quart d'heure de problème au début. Ouais, effectivement. Ouais. Ah non, mais clairement, moi je voulais vraiment faire l'élève sérieuse et tout, qui essaie de trouver des problèmes. Et... J'avoue qu'au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui faisait l'andouille avec son micro. Les gens qui mangent trop près de leur micro, ça arrive souvent sur Discord. Ben voilà. Ah, ça marche. Les filles ont le temps de sortir du portail et de faire un setup Twitch. Ça, c'est l'efficacité. C'est voilà quoi. J'en ai juste très rapide. On a rejoint Eva. C'était déjà préparé en fait. En fait, le portail, c'est juste ma porte d'entrée. Hein. Ouais, ça n'avait rien de très simple à faire. Laissez-nous y croire. Gros acteur studio de Pierre Kerner. Ah, c'est vrai. Ouais, franchement impressionnant. Comme d'habitude. Pas de commentaires. Avec toujours des accessoires de qualité. J'attendais le pou Betty sur la langue quand même. Hein. Non, mais ça, c'est un peu plus compliqué, ça. Vous avez bossé combien de temps sur vos sujets respectifs? Alors, bah, Alors non, les sujets en soi, les thèmes, on y a travaillé tout le semestre, vu qu'on a rédigé des très très bons billets de blog. D'ailleurs, on va vous remettre le lien dans le chat. On se fait de la promo. Ouais, c'est ça. C'est génial, allez lire. Les dessins sont incroyables. On a travaillé pour ça, donc allez. Donc voilà, non, le sujet, on l'a bossé tout au long du semestre. Et donc les vidéos, bah, c'était beaucoup plus facile à faire, vu que tout le travail de recherche était fait. C'est ça. On n'avait plus de recherche à faire, tout était déjà dans les billets. C'est ça. En fait, ce qui était très très long, bah, c'est de s'approprier le live, toute la technique, et puis de créer toute l'histoire aussi, le script, d'écrire le script, trouver les images, les crédits, les musiques. C'était le plus long aussi. Il y a 50 pages de script. Non. C'était très long à faire. Oui, c'était long. Il fait exactement 49 pages de script. Il y a des photos, ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Et il y a toutes les sources et tout. C'est normal. J'ai une question un peu. Une très belle question. Une belle question sur le chat, là. Robinette qui nous demande le spécisme affecte-t-il beaucoup la recherche en biologie? Je veux dire, on ne fait pas plus de recherche sur les espèces qu'on trouve culturellement jolies? Moi je pense que ça affecte personnellement en tout cas, parce que je pense que les espèces, par exemple comme le râteau nu, etc., on trouve pas énormément de sujets sur ça. Les monotrèmes aussi spécifiquement, par exemple, il n'y avait pas énormément de sources. Donc oui, je pense que les espèces les plus connues ou les plus jolies, forcément il y a beaucoup plus de recherches dessus. Mais je crois qu'il y avait, je sais plus si c'était une vidéo de Brut ou de Léo Grasset qui justement expliquait ça, j'ai oublié la source, mais qui expliquait que... Ouais, c'est Antibiology qui expliquait que justement il y avait les bestioles un peu chouchou et du coup on les voyait même, ça leur... je crois que ça leur était un peu à leur dépend et que... Oui, parce que vu comme elles sont mignonnes, tout le monde va en avoir chez soi, ce qui n'est pas forcément... Alors ça, je pense que c'est quand même, pour mettre un petit peu d'eau dans votre vin, c'est un avis sur la protection des espèces. Et là, sans aucun doute, panda, etc. Mais la recherche, par exemple, des gens qui travaillent sur les mouches, j'ai vu des larves de mouches, c'est pas très ragoûtant non plus. Donc, il y a des gens qui travaillent sur des rats, sur des souris, sur d'autres amphibiens comme le xénope. C'est pas nécessairement un critère. Il y a un biais, c'est que en recherche, il y a un vrai biais, mais c'est vers les espèces modèles. Parce que les espèces modèles, on les a longtemps prises comme un idéal, quoi. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que une espèce modèle, ça n'a pas d'autre valeur que le fait d'être une espèce très travaillée, point à la ligne. Donc du coup, quand on va avoir beaucoup d'outils sous la main, on va plutôt travailler sur les souris, sur les drosophiles, évidemment. Franchement, enfin, je veux dire, Pierre Kerner, quand il a commencé à travailler sur les annélides, c'était pas gagné. En même temps, quand c'est très beau, les annélides. C'est partie des plus belles espèces du monde, donc je comprends pas exactement. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, on te voyait creuser dans le sol très profond pour forger des outils, alors que si tu l'avais fait sur des drosophiles ou sur des poissons zèbres, les outils existaient déjà. Et c'est ça le vrai biais qu'il y a en recherche, c'est que comme les outils existent
de façon massive sur les espèces modèles, eh bien, les gens ont tendance à travailler avec les espèces modèles. On est très, très peu à sortir des modèles. En fait. Mais monsieur, vous nous avez dit aussi que c'était pour des histoires d'argent parce qu'on ne finance pas des recherches qui coûtent cher sur des espèces qu'on ne connaît quasiment pas. C'est pas faux. Voilà. Et, c'est aussi parce que c'est aussi un biais parce que le nombre de publications. Regardez, si vous voulez lire toutes les publications qui sortent sur la souris, c'est mort. C'est mort. Il y en a des milliers chaque semaine. Si vous voulez lire tout ce qui sort sur un annélide, ça commence à être jouable. Vous voyez, c'est l'effet de masse, quoi. Et donc, on fait pas les mêmes choses, à vrai dire, avec un modèle et avec une espèce non modèle. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la génétique avec un papillon, le bombyx de la ronce, par exemple, il va falloir avoir un stock center, élever des mutants, générer des mutants, les élever, etc. etc. Pour répondre, vous appelez juste Marie. C'est très, très simple. Elle a un petit stock. Elle a un principe expérimental. J'aurais bien voulu vous les montrer, mais ils sont tellement petits que je pense qu'à la caméra, ça ne se verra pas. Mais je vais quand même essayer de les choper. En fait, ils maîtrisent la reproduction avec Pullover. Il y en a quelques-uns là. Je ne sais pas si on voit. Attendez. Si José, je dirais que son pullover n'est pas un tricot stérile, mais... Oui, on voit. Regardez comme ils sont mignons. Maman Marie. Non, je suis pas maman. Voilà, mon petit bébé. Est-ce qu'on peut mettre Marie en... Ah non. Image unique, c'est possible. Ah non. Non, mais c'est une grosse tête. Le stress sur l'équipe technique. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire un zoom immédiatement et puis Après, elle sera pas en plein écran. Mais c'est pas grave, mais voilà, on voit un petit peu, ils sont tout petits. Ah, clairement, on voit. Hein. Ouais. Ah oui, voilà. Pour l'anecdote, ceux qui n'ont pas vu sur Twitter, il y a eu un bombix qui a pondu ses œufs sur Marie, comme ça, voilà. Sans ça crier. C'est pas franchement le respect. Trop beau. Voilà, je l'ai trouvé. Je suis une maman papillon maintenant. Histoire de science écrit, la sage-femme est de retour. Il y avait une question tout à l'heure qui est un peu vite passée. Comment nous est venue l'idée, c'était ça, ouais, de vous intéresser aux espèces un peu étranges et méconnues, mais néanmoins diablement intéressantes. Ça s'est fait complètement par hasard. Et voilà, ouais, clairement. En fait, on nous a donné des thèmes au début du semestre. On nous une a liste dit, de thèmes, voilà. Bon, vous choisissez. Et finalement, ça s'est tourné. On a tous choisi des trucs un peu bizarres. On a tous trouvé. En fait, on s'est vraiment concentré tout sur une espèce. En fait, on avait des thèmes avec un groupe d'espèces. Voilà, nous, les amibes, la vie larvaire et les monotrèmes. Et donc, on s'est tous focus sur une espèce à la fin. Et puis, on a fait un truc avec ses particularités étonnantes. Et donc, en réfléchissant à la bande-annonce et en trouvant un thème à la conférence, on s'est dit, mais il faut trop qu'on trouve quelque chose. On avait un peu au début ce délire où on voulait faire un truc avec des super-pouvoirs, des super-héros. Ouais, voilà. On était un peu parti là-dedans. Et puis, en rédigeant la bande-annonce du live que vous avez vu, avec cette idée de jeunes devant un écran et tout, mais ça pourrait être trop drôle de s'inspirer de l'univers de Stranger Things. Oui, c'est quand on cherchait le titre, c'est ça, le titre du thème. Le nom de la conférence, surtout, voilà. Qu'on s'est demandé. Et là, on a fait tout est venu hyper naturellement. Cette espèce, enfin, on pourrait vraiment faire un thème Stranger Species avec l'univers de la série, voilà, un peu les codes, tout ça. Et on a demandé, on a fait un appel aussi, qu'Agatha et Marie ont bien voulu répondre. Et donc, on leur a dit leur thème, choisissez une espèce étonnante, voilà, pour en parler pendant le live. D'ailleurs, merci voilà. Agatha encore et ouais. Marie. Merci, merci à vous, c'était trop chouette comme expérience. Bah, merci à vous. J'ai découvert des personnes dans votre aventure. La suite. Alors, je veux rentrer chez lui. Ah, bon, Lina en a marre. Hein. C'est pas une question, mais comme vous êtes étudiant, je me permets de dire que des phrases très finalistes m'ont fait mal à ma science. Mais je sais que c'est dur de s'en défaire et bravo dans l'ensemble. Je sais pas. Des exemples de phrases finalistes.
Ouais, moi je veux bien des exemples parce que j'ai pas trop compris. Ah, à vrai dire, il y en a eu deux ou trois quand même. Hein. Moi j'ai noté allèle récessif, allèle dominant. Voilà. Ah, c'est le phénotype associé à la question de l'allèle qui est dominant. Si on commençait oui, alors là, ça va. On en parle du coup dans la... Oh, mais il y a un moment, il y avait... il n'avait pas d'autre choix évolutif que... Oh, c'était... Ah oui, non. Ah, il y avait un autre moment où c'était marqué... Enfin, je crois qu'il y avait quelque chose qui était dit du genre l'axolote, son objectif, c'est de... Ouais. Oh, c'est vrai. Ou même la limace d'amibe, son objectif, c'est de... Oui, mmh. C'est vrai. Ouais. Ah, merde. C'est... absolument pas grave dans le feu d'action. Ne vous inquiétez pas. C'est juste moins 10. Bon, c'est pas grave. C'est pas mortel. Hein. Rappelez-vous ce que je dis tout le temps. Nous ne voulons pas votre mort. Nous voulons simplement votre échec. Ah oui. On y était presque. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui demande si on peut revoir la tête de poisson. Ah ouais. Mais je sais pas si ma tête est là. Vous pouvez mettre ma tête ou pas? Kerner sur sa. Parce que je veux revoir la Kerner, il aime pas qu'on l'appelle Kerner. Ah. Docteur Pierre Kerner. Alors moi je fais. Il s'est rajouté dans la conversation Skype. Je suis dans la conversation Skype. Moi, je suis sur Monde Duo dans Discord. Ah non, si vous pouvez, ce que vous pouvez on t'entend, faire. T'entends, mais on voit pas ta tête. Ouais. Ce que vous pouvez faire, vous. Ah, il se met sur le live SPFAQ. Ok. C'est ça, Paul? Oui, c'est ça. Ok. Vous pouvez vous mettre sur l'appel Skype live SPFAQ. J'arrive. Non, moi j'ai que remonter, j'ai pas l'autre. Ah ouais? Ah mince, bah envoie une invitation. C'est laborieux. Hein. Non, non, on m'appelle pas Poisson Kerner, hein, histoire de science. Hein. Poisson Pierre, ça me va à la limite, comme ça. Il y a une... c'est dommage, on est là. C'est où Audrey? C'est toi qui sais faire des magnifiques répliques. C'est où le pour envoyer une invitation de ça? Mais sinon, ça va pas si je fais remonter mon duo parce qu'on l'a utilisé tout à l'heure, ça devrait marcher, non? Alors, c'est pas le même flux vidéo, c'est pas le même appel. C'était là envoyé, non? Bah non, attends, mais je sais pas, il y a pas la même. Attends, c'est pas. Oui. Moi, je passe directement là. Ah bah voilà. Bah, copie le lien. Et tu lui envoies sur Discord. Alors j'envoie sur Discord. J'ai juste besoin de cliquer sur un lien. Après, c'est bon. Oui, bah voilà. Enfin. Hop là. Bon, là, je vais chercher la bête. Bon, alors, on a une boule. Je l'appelais Poisson Kerner. Ok, est-ce qu'on attend, il y a une autre question, Maurice? Yep. Il y a une autre question, je me demande bien qui peut l'avoir posée, mais je peux récupérer mon micro maintenant. Voilà, je me demande vraiment qui l'a posée la question. Hein. Ah oui, essayez de fermer. Ah oui, d'accord, ça peut pas fonctionner. Ah oui, ça fonctionne très bien, Pierre, regarde. Tu vois. Oh, ça va. Est-ce que ça marche maintenant? Oui, ça fonctionne. Non, on voit ton poisson blob, c'est tout. Ah, ben voilà. Ce qui est marrant, c'est que Marie, elle a dit, elle avait honte de me le passer après le tournage. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Mais je l'utilise tous les jours. Mais jamais de la vie, j'aurais pensé, Pierre, que tu allais t'en servir. Vraiment. J'étais presque gênée de te le refourguer à la fin du tournage. Je me suis dit, mais le mec, il va rentrer avec, qu'est-ce qu'il va en faire? Alors, à chaque live, il le sort. C'est parfait. C'est le plus beau cadeau du monde. Ah ben, plaisir d'offrir. Ben voilà, il faut te recevoir. La magnifique poisson carnaire qui nous a fait tant rire.
Ah là là, et du coup, il est pas arrivé. On le voit pas sur le live. Ça arrive. Ah non, mais moi j'étais tellement. Franchement, j'ai perdu son sérieux dans ce costume. En plus, on voyait en train de rigoler. J'en ai pleuré. Du coup, il y a entendu, je pense qu'on a repris les. Oui, mais oui. Parce qu'après, les gens réagissaient dans le chat et je lisais et j'en pouvais plus. Enfin, le fou rire, quoi. Un fou rire. Ah oui, Eva, franchement, bravo, c'était magnifique. J'étais morte. Il y a eu contenance, hein. Moi j'étais à peu près sûr qu'il allait y avoir une catastrophe, mais en fait. Ouais. Ouh, ça marche. Sublime. Ah non, moi je voulais le voir sur la tête là. Oh bah ça va, oh là là. Ah. Mais c'est pas facile avec le casque, en fait, ça le défend. C'est magnifique, franchement, je suis très honorée. Ça, j'étais heureux. C'est grave. Ce qui est bien avec le confinement, c'est qu'après, a priori, on fera des cours l'année prochaine. Je propose que je fasse des cours comme ça. J'en ai plein en stock, hein. Je te les prête. Ça marche. Je pense qu'on peut faire une espèce de concours de costumes au premier concours de Pierre Kerner l'année prochaine. Oh là là, franchement, imagine le premier amphi avec Pierre Kerner. Et oui, bravo pour la technique, bravo pour et toutes les personnes qui sont impliquées pour que ce live se déroule sans accro. Ouais, c'est effectivement. Histoire exceptionnelle ce soir. Monsieur régisseur, voilà. Oh, j'ai dit qu'il était en train de faire ça. Ok. Est-ce qu'il reste des questions du coup? Ouais. Je ne sais plus. Non, oui, dans l'utilisateur. Il y en avait une qui disait le blob est-il une amie? Voilà, c'est ça. Ah oui, il y a longtemps. Ah oui, mais ça c'était il y a longtemps et c'est une bonne idée. Alors le blob est-il une amie? Alors le blob, si on analyse bien, on n'avait pas précisé. C'est un organisme unicellulaire également, qui est très 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 gros, qui peut faire une très très grande surface. Il peut atteindre 2 mètres, non? Plusieurs mètres carrés de surface. Ouais. 10 mètres carrés, je crois. Et donc, voilà, il a plusieurs noyaux, donc c'est une cellule un peu spéciale. Mais oui, c'est bien une amibe. Il fait partie du groupe des amibozoaires, comme Dictostelium discoideum. En fait, je ne sais pas si... parce qu'il a... Il fait partie des amibozoaires, mais est-ce que ça... Il a quand même une forme très particulière. Alors, est-ce que c'est un déplacement amiboïde? Ah oui, c'est une bonne remarque. Le truc, c'est qu'au tout début du développement, entre guillemets, de cette amibe, il y a un mouvement amiboïde, sauf qu'il y a une croissance avec des noyaux à l'intérieur qui se deviennent de plus en plus importants et nombreux, qui fait qu'à la fin, on a une structure qui ressemble plus vraiment à une amibe classique. Mais au départ, c'est bien amibe. Histoire de science réagit. Wow, elle dit les mots scientifiques si facilement. Je suis d'accord. Bon, moi j'ai une question pour vous, pour la fin. Est-ce que tout ça, ça valait le coup? Oui. Je ne répondrai pas à cette question. Non, évidemment que ça valait le coup. Ouais. Je suis content. Bon, en tout cas, vous pouvez être fier de vous, ça c'est sûr. Ouais, ouais, super. C'est vraiment là, la conférence au temps du Covid, elle est jolie. On a voulu faire un parallèle étrange avec on remonte dans le monde du haut, on sort du confinement, puis on s'est dit que ça va être un peu trop poussé. Voilà, donc on est assez concentré juste sur le monde du haut, le monde du bas. Et je pense que la métaphore s'est faite naturellement. Il y en a eu, on fait en tout cas. J'ai entendu ça. Ouais, c'est quoi une métaphore entre les amibes et les gens confinés?
J'ai pas entendu. J'ai dit on peut faire une métaphore entre les amibes, notamment les mouvements amiboïdes, ou les gens confinés. C'est vrai. Il y a une version du script qui ressemblait à ça, ouais. On dit, là, on part vraiment trop dans la fiction, quand ouais, même. Un peu, on va peut-être se calmer. Ouais, suivez. Avant de partir, j'aimerais aussi vraiment re-encourager tout le monde, là, la cinquantaine de followers qui restent, là, d'aller voir vos BD. Parce que là, franchement, vous nous avez vraiment bluffé cette année par la qualité. La qualité scientifique, mais aussi la qualité artistique de ce que vous avez fait. Vraiment, je pense pas trahir Pierre en disant qu'on est restés tous les deux vraiment bluffés par la qualité des produits. Ouais, clairement. Ouais. Vous pouvez à peu près savoir être certain que la promotion 2021 de Cébionium va vous détester, quoi, parce que. Voilà. Même, on est là pour ça, hein, puis on sera évidemment là pour leur donner des conseils. Présent. Grave. C'est ça. Hein. On ne sera pas confinés aussi l'année prochaine. Oh là 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 là. Ah, faut espérer, ouais. Moi, je pense qu'on peut quand même avoir quelques tuyaux d'un point de vue organisation. Après, si ce ne sera pas les mêmes contraintes techniques, est-ce que vous avez une connexion Internet? A priori, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, c'était assez majoritaire. Est-ce que vous avez une bonne caméra? Tout ça, bon. Mais en tout cas, non, on a. Enfin, c'était intense. On peut dire que c'était intense. Hein. Oui. Ouais. Je pense que très formateur. Très formateur. Sur le questionnaire qu'on devait avoir à la fin, combien d'heures avez-vous passé sur ces vidéos? Alors là, on va explorer. 24 heures, c'est sûr. Je ne pourrais pas répondre à ça. Un jour peut-être, hein, parfois, franchement. C'est vraiment beaucoup de boulot pour un truc qu'on Non, mais en tout cas, on ne regrette pas. C'était... En tout cas, moi, je trouve qu'on s'est éclaté à écrire le script et à écrire toutes ces histoires. Tourner notre vidéo, tout se synchroniser pour faire un truc un peu cohérent, tout ça. Avec Marie-Agatha aussi, c'était une expérience trop, trop bien. Franchement, c'est trop amusé. En plus, on a une bonne dynamique de groupe, donc c'est beaucoup mieux. On s'entend tous bien, et puis voilà. Ouais. D'ailleurs, Marie, pendant que je suis dans les confidences, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai peur. La vérité soit établie. Alors, en fait, quand j'ai fait le montage de ton intervention... et que je cherchais une musique à mettre sur tes images de papillons, j'ai juste cherché dans la bibliothèque audio enfant et optimisme, je suis tombée sans savoir sur ta musique de jingle. Donc je ne savais pas, j'avais complètement... C'est vrai. Je te jure. Mais non. Je te jure, je savais pas. Moi, je pensais que c'était fait exprès. Non. Et non. Incroyable. Franchement, bravo. Et là, c'est que tu vois, c'est que j'ai vraiment choisi la bonne musique, quoi. Ça veut dire que c'est bon, ça va être. C'est bon, c'est ton identité. Super. Moi, je pensais que c'était un super clin d'œil. Je suis un peu vexée. Parce que la première fois que je l'ai entendu, je suis hypée, j'ai fait ouais, les ouf, ils sont allés chercher ma musique, ils aiment trop ce que je fais, c'est trop bien en fait. Non, pas du tout. Je me fais dire que optimisme enfant est quand même un peu pas mal, quoi. Ouais, c'est clair. Enfant, c'est vraiment le mot-clé, quoi, à chercher pour... je suis tombée sur ton jingle. Non, je ne vois pas de quoi vous voulez dire. Très bien. Bah écoutez, je pense que s'il n'y a plus de questions, vous allez pouvoir rendre l'antenne. Yes. Ouais. Je vous laisse dire les derniers mots. On va se taire avec Patrick. On va méditer ce qu'on a fait. Non, bah, en vous balançant dans cette galère. Déjà, ouais, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'avoir commenté, nous avoir bien fait rire aussi. Ouais, parce que, c'est sûr. Les pauses, on était toujours en train de dire vos commentaires. Ouais, ça me rappelait, il y avait une question où on demandait est-ce que c'était que du live ou est-ce qu'il y avait des scènes enregistrées. Ah, j'ai pas vu celle-là. Si, je l'ai vu. C'était un mélange des deux, toutes les vidéos étaient enregistrées. Mais les dialogues avec les images en fond, c'était en live. Voilà. C'était les scènes où on voyait les intervenantes qui était enregistré, quoi. Voilà. C'est ça. Mais sinon, non, il y avait... Ouais, il y avait un peu des deux, question de technique, vous vous doutez bien que c'était un peu compliqué à gérer. Donc, on a pris la décision d'enregistrer Agatha et Marie. Et sinon, tout était en live. Nos vidéos, évidemment, étaient pré-enregistrées. Mais évidemment, c'était un peu compliqué. On ne va pas vous dessiner non plus les trucs en un. Ça va. Non, mais en tout cas, merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On est super contents du résultat. Vous avez fait trop rire. On s'est vraiment éclaté à faire ça. Un grand, grand merci à Marie et à Agatha.
d'avoir répondu à l'appel. Merci à vous. C'était trop bien. Merci. Merci. C'était trop, trop bien. Et puis, bah, merci à nos professeurs, hein, Pierre Carner, Patrick Laurenti, pour ce semestre fort en émotion, on pourrait le dire. Avec ce confinement, tout ça, c'était pas gagné. Et voilà, et bah, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à regarder d'autres lives sur le Café des Sciences. Un grand merci au Café des Sciences, oui, évidemment, bah, j'ai oublié, d'avoir hébergé l'événement. On est tous trop contents. Je pense qu'on aurait beaucoup moins de visibilité si on l'avait fait sur une autre chaîne un peu obscure de Twitch. Donc, merci du coup à Dunia Sales qui nous a aidé. Ouais. Qui est pour cette interview. Merci Dunia. Franchement, sans toi, rien n'aurait pu se faire. Et puis voilà. Que dire de plus ? On a remercié tout le monde. Hein. Voilà. Le hola pour le Café des Sciences. Ok, on l'a fait là. Sur ça, Franck. Hola. Hola. Ouais, va, ta danse. Moi, j'ai attendu toute la journée, en fait. Non, je peux pas, t'as mal au dos, c'est fini. C'est vrai, on t'a c'est fini. Ah, pour ceux qui n'ont pas la référence. Quand on réalisait le live, à chaque fois, pour les remontées, il y a un gros cas, quand on n'avait pas prévu avec Pierre Carner, des flûtes ou quoi que ce soit, tout a été fait en live, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On faisait des petits tests, et à chaque fois qu'on testait les remontées, on avait une petite danse des doigts. Qui était comme ça. Voilà, je suis bien fichée sur internet. Merci. C'est un parfait mouvement amyloïde. On apprécie. Très souple. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.